Et bonsoir, 20h presque à peu près pile. Enfin, on va dire que ça s'en fout. Euh, bienvenue pour ce nouveau webinar euh, consacré au réamping avec euh, mon chaton, le seul, l'unique, le chauve, le grand, le beau, le barbu, le, le lunetteux, le monsieur Capello, yeah. euh, voilà, le maître Capello du son, James Winston. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, mon chaton eh ben, ça va très bien. Et toi, mon petit lapinou eh Ben ça va. Oh là là, ça c'est parti pour les les, les petits noms doux. J'espère que euh, bah, déjà que vous nous entendez bien. On a fait des tests hein, pour savoir si ça marchait. Normalement, ça marche, donc c'est cool. Euh, lâchez votre petit commentaire pour savoir si vous nous entendez bien, si euh, si vous êtes là. Je vois qu'il y a ça se connecte donc c'est très bien. Euh, de quoi on va parler ce soir, euh, euh, James, exactement Qu'est-ce que tu vas nous dire Parce qu'en en fait, en fait pour, pour la petite histoire, c'est que j'avais commencé à préparer tout un truc et quand euh, James m'a envoyé ses, euh, ses slides, je me suis dit Ah, 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 ah ça va être, ça va être euh, suffisamment euh, fourni en termes de, de notions que tout ce que euh, euh, j'avais euh, en tête. Alors, je parlerai, j'apporterai un peu mon grain de sel de temps en temps, surtout sur le côté workflow et euh, habitude de travail. On va dire ça comme ça. Retour d'expérience. Euh, mais voilà, James va, euh, va quand même bien vous expliquer les choses comme à son habitude. Alors, James, qu'est-ce qu'on dit ce soir Qu'est-ce que tu dis ce soir alors ce soir au menu, le chef vous propose un bon petit menu sur le reamping. Mais pour parler reamping, <laughs> d'abord on va parler de signal audio, parce qu'en fait le reamping c'est quoi C'est qu'on va enregistrer un signal de, de guitare, de basse ou même de voix. D'ailleurs, on peut faire ça avec des voix aussi. On peut faire ça avec plein de trucs. En gros, on enregistre un, une source la plus brute possible, la plus neutre possible, pour pouvoir a posteriori la repasser. Dans un pré-ampli, dans un ampli, dans une tête d'ampli guitare, dans, dans un équipement qui va leur recolorer a posteriori. Pour ça, il peut y avoir plusieurs raisons que je te laisserai énumérer à toi. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce que tu as dit. <rire> Connard. <rire> non, je, je, je disais le, ra le ramping, c'est quoi donc Et pourquoi on, fait, pourquoi on fait du ramping, monsieur Nico ah, alors le réamping, comme tu disais, non mais j'ai un peu écouté quand même hein, d'une du, oreille distraite parce que je regardais les messages que je recevais euh, du, du, du fait du live. Hein, c'est c'est pas, pas, pas personnel, hein, messieurs-dames, hein, je tiens à vous le dire, attention. Euh, non, le, le réamping, alors moi je suis assez adepte du réamping euh, guitare-basse, ouais. euh, même quand euh, j'enregistre des groupes avec moi. La raison est que euh, lorsque je vais enregistrer un guitariste ou un bassiste, je vais plus chercher lors de cet enregistrement à vraiment me concentrer sur son jeu et sur l'interprétation qu'il va donner, plutôt que de devoir me concentrer et sur son jeu et sur le son. Okay Donc je vais d'abord faire des prises DI pour vraiment avoir un jeu le plus parfait possible, le plus nickel possible. Et ensuite, on va pouvoir se concentrer avec les musiciens sur le son de leur instrument. Et l'autre avantage aussi du reamping, c'est que euh, bah, le reamping, ça veut dire qu'on peut euh, refaire le son de guitare autant de fois qu'on veut, chose qu'on peut pas faire une fois que c'est enregistré et que on n'a pas enregistré de DI. Et ça c'est un, <laughs> ouais. un truc que je vous donne. Et ça c'est un truc que je vous donne, c'est que même si vous faites des prises directement sur un ampli, vous enregistrez une DI toujours deux raisons principales. La première, c'est que si jamais le son d'ampli ne convient pas pour X raisons, vous pouvez faire un reamping, qu'on va vous expliquer ce soir. Mais en plus, la deuxième euh, raison que moi je vois, c'est que si vous devez éditer des guitares réampées et surtout des guitares euh, saturées, pour voir les attaques. Bah bon courage, parce qu'en fait, c'est un duct tape, en fait hein, c'est tout droit, c'est zéro dynamique, on ne voit rien. Euh, alors que si vous avez votre DI juste au-dessus, bah vous savez où sont les attaques de, de médiateurs, etc. Et vous pourrez plus facilement éditer vos euh, guitares réampées. Euh, donc voilà, et puis donc pour reprendre le. le le... Une fois qu'on a fait les enregistrements d'IA etc., on fait le réamping avec les musiciens, on fait le son avec les musiciens, mais aussi euh, bah, j'aurai déjà la batterie, j'aurai déjà la, la, la basse. Donc ça me permettra de faire un réamping en contexte et de pouvoir ajuster le son en fonction des autres éléments de mon mix. Donc dès le réamping, je vais déjà orienter le son. Euh, pour pas me retrouver avec à faire un son trop mortel et puis euh, euh, arriver au mix, faire ⁇ Ah, il marche pas du tout ⁇ et ça arrive, hein. il marche pas du tout euh, dans le mix et c'est compliqué. Ça, c'est les exemples de réamping que, que je peux donner. Et euh, récemment, pour ceux qui sont inscrits sur la euh, la, la school de Studio Experience, eh bien, la voix de notre ami Steph Burrier a été réampée. Oui, je l'ai enregistré avec des micros, avec des compresseurs, avec des... Euh, des préampes, mais une fois que ça a été fait, eh ben je l'ai retraité, je l'ai repassé dans un compresseur pour repasser dans un préamp, etc. Pourquoi Parce que je voulais lui donner un caractère et aller chercher cette saturation un petit peu analogique euh, qu'on a, euh, qu a avec les préampes quand on le rentre un petit peu dans la tronche. Et, euh, et voilà, et une fois, j'avais même fait euh, du réamping euh, de voix, où en fait la voix avait été enregistrée euh, très bizarrement, et, euh, et en fait je l'avais... Euh, Passé dans une enceinte et j'avais enregistré ce qui se passait dans l'enceinte. Voilà, mais ça avait marché. Et puis il y a plein de, il y a plein de choses à faire aussi. Moi, j'ai une fois, je crois que j'avais partagé sur le groupe une vidéo de Sylvia Massi qui réampe. Euh, alors, ce n'est pas elle qui le fait toute seule, hein, mais elle avait fait une vidéo qui était assez intéressante sur comment réamper une caisse claire, par exemple. Aussi. Elle avait, on, lui avait, on lui avait demandé de mixer une batterie. La caisse claire qu'elle avait reçue était vraiment. Il euh, n'y avait rien. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait que dalle. Bah, elle a envoyé le signal. Dans un ampli assez costaud pour déclencher une bonne pression d'air, posé à plat par terre, la caisse claire dessus, un micro, et puis pan, c'est parti. Et moi, j'avais testé ça aussi quand je faisais mes études sur une grosse caisse, en posant la grosse caisse sur un énorme caisson de basse, juste pour générer du bas, parce que la grosse caisse qu'on avait sur l'enregistrement ne manquait de bas. Voilà, donc toutes les applications sont possibles et inimaginables, mais ce soir, on va quand même essentiellement se concentrer sur le reamping guitare et basse. Exactement. Et pour la petite histoire, il me semble le même que sur le Black Album. En fait, le kick était envoyé dans un dans un, un pied, un, un système sono pour récupérer du bas. Donc en fait, ils ont fait du reamping en même temps que que le que, que l'enregistrement. Comme quoi, Alors, le reamping, ça peut vraiment être un, un outil très euh, utile et puissant. Très puissant. Et bien du coup, je propose que l'on attaque par un peu de théorie. et bien, c'est parti. De chance de, de, je... de mettre tout le monde à niveau. Est-ce que tu peux afficher la première diapo, s'il te plaît, mon cher assistant C'est parti, voilà. C'est en ligne. Alors, pour parler de ramping, on va tout de commencer par parler de niveau de signal. Alors, le niveau, c'est quoi C'est qu'au départ, avant que le, votre signal audio soit dans votre euh, l'ordinateur, c'est un, une onde acoustique, et très rapidement, une fois qu'elle est captée par un micro, ça devient un signal électrique. Et dès qu'on est dans tous nos appareils audio, que ce soit nos enceintes, nos micros, nos pré tout ça, tout ça, tout ça, on, on a un signal électrique. Mais qui dit signal électrique dit amplitude. Ça ne sert à rien que je fasse des S parce que je ne suis pas à l'image. Euh, donc, qui dit signal électrique dit amplitude. Si là, là tu es, et... es à l'image, refais-la. Refais voilà, voilà c'est l'amplitude. C'est vachement voilà. bien. Je repasse sur les slides. Et, euh, et donc, en fonction des appareils, cette amplitude va changer. Et elle va changer de manière. Vraiment plus ou moins drastique. Slide suivante, s'il te plaît. Nous sommes sur le slide suivant. On va donc retrouver essentiellement quatre niveaux électriques que vous pourrez retrouver partout. On va voir le niveau micro que vous retrouvez sous l'appellation mic level dans les documentations techniques en anglais, le niveau instrument ou instrument level, le niveau ligne qui sera le line level et le niveau HP pour haut-parleur ou speaker level. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et, et histoire de mieux imager tout ça, je vous les ai classés par, euh, par ordre de grandeur d'amplitude. Donc le niveau micro, c'est ce qu'on a de plus faible en général. Après, évidemment, c'est une, une image parce qu'en fonction des micros, certains vont dégager un niveau plus important que d'autres avec la même source. Mais en général, c'est de l'ordre de quelques millivolts. Donc ce n'est pas grand chose. Ensuite, on va avoir le niveau instrument. Là, c'est pareil, ça va changer entre. Le type d'instrument, le, le type de micro qu'il y a dessus, actif, passif, etc. Mais là, on va être de l'ordre quand même de plusieurs centaines de millivolts, voire pour certains, on va approcher 1 volt, ce qui commence à être costaud. Ensuite, nos appareils professionnels. Donc là, j'ai mis un compresseur, un petit 1176, mais la plupart des éléments de notre studio, en termes d'appareils professionnels, vont travailler avec un niveau qui est euh, normalisé. Et qu'on va appeler le niveau pro, qu'on connaît sous la dénomination plus 4 DBU. Je reparlerai un peu après. Et on termine avec les niveaux haut-parleurs, où là, on vient tout péter, puisque là, il faut pas mal de, de niveaux électriques, puisqu'il faut faire bouger la membrane du haut-parleur. Donc en général, là, on sort d'un ampli, juste avant la membrane. Et là, on peut être de l'ordre de plusieurs dizaines de volts. Voire en sono, on peut approcher la centaine de volts pour les gros caissons qui font, qui font du gros grave. Euh, rapidement, je vais, je vais enchaîner les slides, là, tu es, es prêt À chaque fois, je te dirais slide, slide. Vas-y, vas-y, uh, slide. Alors, alors, slide suivant. Donc là, je fais un petit rappel. Donc, le niveau micro bleu le plus faible de tous, quelques millivolts. Donc, lui, il va falloir le préamplifier. Le niveau instrument, comme je vous disais, donc n'est pas normalisé, peut changer en fonction des niveaux. Slide. Et <laughs> je reviens du coup sur ce que je disais tout à l'heure. C'est hey, beau quand même. Ah, c'est magnifique. Un vrai travail d'équipe. Eh, hey, attends, on l'a répété. Ensuite, donc là où je vais m'attarder un petit peu, c'est ce qu'on appelle le niveau ligne. Donc, ce niveau ligne, comme je vous le marque là sur le slide, en milieu pro, il est standardisé à environ 1,23 volts. Alors, pourquoi environ Parce que de toute façon, on ne pourra pas avoir un signal euh, voix, guitare ou n'importe quel signal toujours fixe à 1,23 volts. Mais il va falloir que le niveau moyen de ce signal soit aux alentours de 1,23 volts. Pourquoi il est normalisé Parce que les constructeurs, tous les appareils qu'ils nous fabriquent avec gentillesse et de l'argent, ils font en sorte que la zone de fonctionnement optimale et la meilleure qualité sonore de son appareil va être dans cette plage de niveau électrique. Voilà, et après, donc, on a le niveau HP, comme je vous l'ai dit, de plusieurs volts, c'est ce qui fait bouger les gamelles. Dis pas de euh, la merde, il y a Mickaël qui nous regarde. Non, mais je sais, mais Mickaël, je l'aime bien, et au pire, si je fais une erreur, il me corrigera. <laughs> voilà. Slide euh, Slide. Donc je l'ai dit. Alors je vous fais juste un petit attention parce que ça peut arriver quand vous êtes comme moi et comme beaucoup d'entre vous des fois en studio. Comment tu, studio. Comment tu fais attention Comment tu fais attention Attention. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est venu comme ça. J'ai pas fait. Okay. J'ai pas retiendu. Non, bon, c'est pas grave. Pas grave. Et euh, ouais. Donc je disais du coup en home studio, il faut faire gaffe puisque vous avez parfois des équipements qu'on appelle grand public qui vont indiquer une sortie le niveau ligne, alors en fait c'est pas le même niveau ligne et c'était pas la bonne blague parce que ce niveau ligne là il va être à même pas 03 volts, donc bien loin du 123 volts qu'on avait tout à l'heure donc il euh, faut faire attention parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises, autant si on envoie un son qui sort d'un appareil grand public dans un, un appareil pro c'est pas grave il bon, n'y aura juste pratiquement pas de son par contre si on envoie un signal niveau pro dans un appareil grand public ça va piquer slide <laughs> Ensuite, on ne peut pas parler du ramping. Non mais attends, c'est trop classe. On ne peut pas parler du reamping sans parler impédance. Alors, je ne vais pas aller très très loin sur l'impédance et dans l'électronique et l'électricité, parce que sinon, on va y avoir des, des AVC là cette nuit. Donc, juste la définition de Wikipédia, parce que je trouve qu'elle est simple et pas mal. Impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant. Donc, en gros, c'est ce qu'on connaît tous de nos restes de cours de, de techno quand on était à l'école pour les plus vieux. C'est ce qu'on appelait la résistance. Sauf que là, quand on est sur un signal alternatif, on appelle ça l'impédance. Slide. <laughs> C'est très, très, très con. <laughs> euh, dans, la, dans la suite des diapos, et en général dans, dans les documentations, elle va s'exprimer avec la lettre Z. Et on va retrouver comme unité les ohms avec la lettre oméga majuscule en grec. Moi, par la suite dans la suite des slides pour que ce soit un peu plus facilement lisible. En général, je mets Z out, c'est ce qui représente l'impédance de sortie d'un appareil, par exemple la sortie d'une guitare. Alors, en fait, des micros de la guitare, je préfère le dire avant qu'on me reprenne. Et ensuite, Z in, qui représente l'impédance d'entrée de l'appareil qui suit. Slide. Alors, en général, la règle simple à respecter, c'est qu'il va falloir toujours aller de petit vers grand. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait une impédance de sortie d'un appareil, il va falloir qu'elle soit toujours plus petite que l'impédance de sortie d'entrée de l'appareil qui suit. Mais là où ça devient un peu casse-pied, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'elle soit trop petite. On verra rapidement pourquoi par la suite. Donc en gros, le plus simple en général, fiez-vous à la documentation des équipements. Les constructeurs vous préconisent les adaptations d'impédance qu'il doit y avoir entre deux appareils. Slide, s'il vous plaît. Le slide suivant. Ah, voilà, c'est bon Ah, 51 ah et, et une Black Beauty, s'il te plaît. Ah ouais, c'est joli. Et une, et, et une originale de 58 avec les trois micros. Avec les vrais pafs d'époque. Donc, en revenant à nos moutons. C'est magnifique. Ah magnifique, Prenons un instant, s'il vous le plaît, pour, pour contempler cette beauté. Et tu remarqueras que les 51-50, j'ai pris le marque 1, j'ai pas pris le marque 2. Parce que je sais que c'est un marque 1 que tu as. Ah non, t'as pris le 2, 51-52. C'est le 2 Ouais. Ah, ben je, me suis, alors je me suis trompé dans mes, dans mes trucs. J'avais pris les deux et du coup, j'ai m'égoré. Eh ben voilà, bien fait pour toi. Euh, donc, du coup, notre guitare, elle a une impédance de sortie. Je vous ai mis 8 kOhm à 70 kOhm. Pourquoi ben, Tout simplement parce que l'impédance va changer en fonction de la note qui va être jouée. Eh ouais c'est pas drôle. Mais en fonction de la note, on a l'impédance de sortie qui, va être, qui peut être différente. Donc, c'est pour ça que très souvent, les têtes d'ampli qui suivent derrière ont une impédance d'entrée très élevée pour pouvoir respecter ce rapport entre les deux. Donc là, on a une impédance sur le 5150 Mark II de 470 kOhm sur l'entrée high gain. Alors, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez vérifier. J'ai regardé sur la doc, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ça bien. C'est les vraies valeurs. Slide. Donc là, on a une impédance de sortie de la guitare ou donc de ces micros qui est adaptée à l'impédance d'entrée de la tête d'ampli. Slide. Ça marche, c'est prévu pour ça. Slide. Dans l'exemple suivant, puisqu'on parle ce soir de devoir enregistrer une, une guitare en direct, si je m'amuse à brancher ma guitare directement dans mon préampli micro. Et tu vu, euh, Mika, on a mis un 1073. J'ai pensé à toi ce soir. J'allais le dire, dire je suis, en fait, tu veux vraiment te mettre Mikael dans la poche, toi. Mais je l'aime bien, Mika. Moi, j'aime bien <laughs> discuter avec Mika, il a des bonnes connaissances. C'est vrai. Euh, du coup. Là, on a une impédance de sortie de guitare, donc j'ai juste mis 8 kΩ parce que c'est l'impédance moyenne. 8, 8 kΩ. Si on la fait rentrer directement dans notre 1073, lui, il a en impédance d'entrée deux possibilités, 1200 ohms ou 800 ohms. Dans tous les cas, ça ne va pas. On part de grand vers petit. Donc, slide. L'impédance de la guitare est supérieure à l'impédance d'entrée, slide. Et ben, résultat, ça va être une usine à souffle. Alors pour ceux qui voudraient l'explication, s'il y en a qui ont des petites connaissances en électronique, en fait, on fait ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Voilà, j'irai pas plus loin sur la, la technique à ce niveau-là, mais quand on fait ça, du coup, quand on va d'une impédance plus élevée vers une impédance plus basse, on se retrouve à faire chuter la tension, donc on perd d'une signal audio et on se retrouve plus qu'avec du souffle et un signal audio tout petit, 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 petit. Slide. Et regarde, j'ai encore pensé à toi sur le slide suivant. Oh, t'as pris une Lynx Aurora, t'es trop mignon. T'as vu ça Oui, t'es trop mignon. Bah bien. ouais, sache que ça allait te parler. Mmh. Au début, je voulais prendre une autre marque et après, je me suis fait... Non, quand même pas. Non, On mais parce que, que complètement... déjà, le, le truc, c'est qu'au moins avec Lynx, tu vois, les, les sorties dont tu parlais tout à, à l'heure, les, les plus quêtes, db euh, vues, machin, euh, bah au moins avec cette marque-là, c'est respecté. L'autre, non, hein, parce que c'est comme ça, c'est les convertisseurs mal calibrés, c'est de la merde. Mais on ne citera pas de nom qui rime avec « hop ». Mais sinon, voilà. Allez, Donc, hop, hop, hop Voilà. Alors, du coup, <laughs> là, on est dans un autre domaine. Quand on sort d'un convertisseur, d'une carte son, là, c'est un peu différent, parce que là, l'impédance, pardon, elle est quasiment <laughs> fixe. Ça suffit. L'impédance est quasiment fixe. Elle est ce qu'on appelle quasiment une impédance pure de 100 ohms. <laughs> faut que je puisse <laughs> finir ma phrase. Ah, c'est génial C'est génial L'impédance. Oh, ben ah, Donc une impédance de 100 ohms, et là vous allez me dire, ben bah oui, mais là si ça fait 100 ohms et que je la mets directement comme ça dans mon ampli qui fait 470 000 ohms, c'est bon, ça va être de petit vers grand, slide. Donc si je vais de la sortie d'un convertisseur, dire tout petit vers une impédance d'une tête d'ampli qui est très très grand, et ben là c'est trop petit, slide. Dans la théorie ça va marcher, <laughs> mais comme dirait HK, oui mais non. Ah oui, oh, oui, ça... Ah, slide Oui voilà. Donc l'exemple 2 est celui qui nous intéresse pour l'enregistrement en vue du reamping mais il va falloir intercaler un équipement du coup pour adapter tout ça. <laughs> Qu'est-ce qu'il qu a le monsieur Je crois qu'il a pris autre chose, il a uh, non non, ça c'est marrant parce que il y a quelqu'un qui demande en plus, il y a quoi dans tes frites tagliata <laughs> Eh ben non, ça va c'est juste qu'on est très content d'être là et que qu'on a tendance beaucoup à se marrer avec l'équipe de TSE et, euh, et, euh, et voilà c'est voilà. bon bref vas-y ouais, ouais donc l'adaptation d'un p... lampédance l'adaptation d'un lampédance lampédance an, l'antelope alors il va <laughs> falloir intercaler donc un équipement <laughs> entre la guitare et le préampli qui est derrière hmm. slide et dans l'exemple numéro 3, qui nous intéresse quand on va faire du reamping, c'est-à-dire qu'on va sortir du convertisseur pour attaquer une tête d'ampli, des pédales de guitare ou autre, là ici, on a bien euh, l'impédance de sortie qui est inférieure à l'impédance d'entrée, mais comme elle est beaucoup trop petite, on va avoir plusieurs problèmes. Slide. Problème number 1, l'impédance d'entrée de la tête d'ampli est beaucoup, beaucoup trop grande. Problème numéro 2, l'impédance de sortie du convertisseur étant indépendant contrairement à l'impédance de la sortie d'une guitare. La tête d'ampli, elle va s'attendre à avoir la même chose que ce qui sort d'une guitare, donc des impédances qui changent. Et là, on lui envoie une impédance fixe, donc ça ne va pas être pareil. Et troisième chose, le signal de sortie du convertisseur est symétrique au niveau ligne, et ça j'expliquerai un peu plus en détail là-dessus dans d'autres choses, c'est pas le, le débat ce soir. En gros, la tête d'ampli, elle, elle va s'attendre à un signal asymétrique. De niveau instrument avec une impédance variable, et nous, si on lui sort directement du convertisseur, on lui envoie un, un signal symétrique de niveau ligne avec une impédance basse et fixe. Donc ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Résultat, slide. On va se retrouver avec une distorsion non contrôlée de l'entrée de l'ampli. Donc quand je parle de distorsion, je ne parle pas de la belle disto d'un 51-50, mais de la distorsion dégueulasse et qu'on ne veut pas du tout on va avoir en fonction des situations soit une perte soit une suraccentuation des aigus et voire même on peut se retrouver avec des boucles de masse complètement désagréables et vraiment pas top slide en conclusion la tête d'ampli elle est faite pour recevoir un signal guitare donc pour cela comme pour l'enregistrement il vaut mieux intercaler un équipement qui va adapter l'impédance adapter le niveau faire une désymétrisation. bref on va transformer le signal qui sort du séquenceur du DO en, en, en simili-signal de guitare. Slide suivant, s'il vous plaît. Ah. Et là, on va, on va commencer à parler donc de l'enregistrement, parce que c'est la première chose que tu vas parler, mon petit Nico. Oui. Et pour ça, on va parler de la DI Box. Alors, tout le monde en a déjà plus ou moins entendu parler, mais je vais éclaircir un peu le débat là-dessus. Donc, DI, qui signifie Direct Injection Box, ou boîtier d'injection directe, c'est donc le fameux équipement intermédiaire qu'on va mettre entre notre instrument et le, soit la carte son, soit le préampli, enfin tout ça. C'est ce qui va permettre d'adapter l'impédance, puisque cette DI en entrée, elle a une impédance très élevée, donc c'est nickel pour y brancher la guitare. Et en sortie, elle a une impédance très basse, enfin beaucoup, beaucoup plus basse, ce qui est nickel pour rentrer dans le préampli. Donc tout le monde il est content. Slide. On va avoir essentiellement deux types de DI, les DI passives et les DI actives. Slide. La différence entre une passive et une active, en version simple, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire des cours d'électronique. Une DI passive base son circuit sur la présence d'un transformateur audio. Une DI active base son circuit sur un schéma un peu plus complexe. Et pour vous donner un petit peu mal à la tête, slide. Là, on a le schéma d'une DI. Alors, c'est le schéma de principe, hein, mais en gros, on prend une entrée de jack, un transfo, une sortie XLR et une boucle pour faire un grand lift. On met tout ça dans une boîte et on a une DI simplifiée. Alors je précise que ce schéma n'est pas de moi que je l'ai pris sur le site Sonelec Musique, que je cite ma référence en bas. Voilà, comme ça on ne pourra pas dire que j'ai volé les schémas. Et slide suivant pour une DI active. Voilà, s'il y en a qui veulent se faire mal à la tête, c'est un peu plus complexe. Merci. Slide suivant. Voilà, tout de suite, ça calme. Slide suivant. Alors maintenant, pourquoi on va choisir une DI active ou une passive alors déjà, pour le, le son en lui-même, on ne va pas avoir du tout le, le même résultat sonore si on passe une guitare dans une DI active ou dans une DI passive. À fort niveau, un guitariste avec une guitare qui sort un bon gros niveau, un circuit actif va distordre le signal, mais là encore, pas une belle distorsion, alors qu'un transfo va plutôt saturer. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y a une différence entre distordre et saturer. Et là, on va amener, ou en tout cas, on peut amener, une petite coloration qui sera du coup beaucoup plus agréable et intéressante et en plus une légère compression chère à notre ami HK. Oui. Évidemment, toute proportion gardée, ça veut pas dire qu'une si vous payez votre DIY active 400 euros, elle va pas être dégueulasse. Si vous payez si vous la comparez avec une DIY passive à 40 euros, forcément, c'est la 400, il y a de fortes chances qu'elle ait un meilleur résultat. Mais à qualité équivalente, on pourra avoir on pourra colorer avec une DIY passive, ce sera Peut-être plus compliqué qu'une DI active. Slide. Ensuite, en termes de budget, une DI passive va nécessiter, du coup, on l'a vu, un transformateur audio et un bon transfo audio qui, qui recouvre bien toutes les fréquences, qui, qui est joli, qui a une belle qualité sonore, ça coûte cher. Alors que dans une DI active, il y a plein de petits composants, mais tous ces petits composants, ça ne coûte pas cher. Slide. Dernier petit truc, parce que je parlais de boucle de masse tout à l'heure, l'avantage d'une DI passive. C'est qu'elle va nous faire ce qu'on appelle une isolation galvanique. En gros, elle va couper, le... elle va empêcher, s'il y a un buzz ou autre, elle va l'empêcher de passer. Et ça, c'est quand même super chouette. Slide. Et avant de parler de la ré box je vais te laisser le relais, mon petit Nico, pour parler de l'enregistrement des DI et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces bêtes-là. Hop Me revoici, me revoilou Merci, euh, mon petit euh, James, pour cette euh, introduction, ma foi, forte, intéressante. Euh... Ah, tu veux que je dise quoi en fait <laughs> eh ben, Là maintenant, j'ai présenté comment on enregistre. Parce que c'est ouais. ce que tu voulais dire. Parce qu'on on ouais. va, va re Comment on ah. enregistre une guitare pour, le, pour la réamper après. Euh. Hop. Je prends ce truc. Dans l'autre sens. Retourne, voilà. La Radial J48. Euh, donc, en fait, quand j'enregistre un instrumentiste, euh, ben je prends cette, ce boîtier DI là qui marche très très bien, que ce soit sur les basses, les guitares, guitares active, guitare passive. Enfin euh, voilà, voilà. J'ai essayé plein de DI différentes euh, la BSS AR-133, la boîtier bleue là qu'on trouve partout, euh, Avalon, enfin euh, un peu tout. Et, euh, et je trouve mon compte avec la radiale. Après, je vous invite à, à tester tout plein de choses, mais ça marche très très bien. Je prends la. Radial, donc je rentre le jack de l'instrumentiste dans le input. Et si je veux attaquer soit la tête d'ampli, soit le camper pour euh, avoir un son distordu, parce qu'enregistrer un groupe de métal avec juste un son d'ye, c'est compliqué, euh, je prends le jack et il y a euh, une petite sortie qui s'appelle euh, Through et du through je passe dans euh, bah, soit euh, la tête d'ampli soit le camper si vous n'avez ni camper ni tête d'ampli ce que vous pouvez très bien faire c'est euh, donc rentrer votre DI dans votre logiciel et sur la piste DI que vous êtes en train d'enregistrer et donc écouter, vous placez votre simulateur d'ampli favori et lorsque vous allez enregistrer, vous allez enregistrer le son DI, enfin le, le signal de la DI mais non traité. Vous allez simplement avoir le son ampli qui va vous permettre d'enregistrer dans des conditions euh, normales. Mais une fois que vous désactivez le plugin, ben vous avez euh, uniquement le son DI qui vous permettra après de euh, faire votre réamping correctement. Euh, évidemment, lorsqu'on enregistre une DI, il faut faire attention au niveau d'entrée. Donc, toujours euh, euh, demander. Alors, moi, ce que je demande, euh, note, note, surtout pour les bassistes, euh, je leur demande d'attaquer vraiment fort leur, leur, leur basse. Parce que, surtout dans le métal, quand ça joue au médiator, parfois il y a des, des pics qui, euh, qui apparaissent. Et, euh, et je vais caler mon, mon niveau d'enregistrement. De, 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 par rapport à ce signal fort, à ce jeu fort. Une fois que j'ai un, un, un niveau d'entrée suffisant, j'enregistre et puis voilà. Pour les guitaristes, c'est pareil. Je vais caler mon niveau d'entrée en fonction des parties, notamment sur les palmutes, où ça a tendance à, à, à dégager plus d'énergie électrique, forcément, parce qu'il y a du bas hein, sur les palmutes. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Et une fois que j'ai enregistré euh, mes, mes DI, et je passe au réamping avec euh, une... Euh, boîte de réamping que je vais chercher. Attends, attends, après, c'est à moi de parler de la reamp box. Ta gueule On n'a pas entendu, tu peux redire Ta gueule Ah, ah. Euh, Ce boîtier-là, donc Palmer d'Acapo, euh, que j'utilise depuis des euh, années et, euh, et jamais déçu. Euh, voilà. c'est très simple, Grand Lift donc comme expliqué Hervé tout à l'heure on a euh, un pas de sortie plus 4 dB ou moins 10 db, donc c'est très bien euh, entrée pardon, et euh, en sortie on a un petit euh, level qui va nous permettre d'ajuster le niveau de sortie euh, du signal DI qui passe donc dans l'arrêt en box et qui va attaquer euh, mon ampli, voilà à toi alors l'arrêt en box, est-ce que tu peux repasser sur les slides s'il te plaît. Ah oui Voilà, alors je vais en profiter avant de, de repasser vite fait là-dessus. Il y a eu quelques petites questions qui sont passées, des trois petites remarques qui sont passées. Alors j'ai notamment, notamment Mika qui dit que j'oublie de parler de l'incidence. Oui, je sais, Mika, mais le but du jeu c'était d'aller très vite et d'expliquer les bases. Si je commence à aller rentrer vraiment dans le tête de l'électronique, il n'y a quasiment que toi qui vas comprendre. Donc on va rester sur, le, sur, sur des choses que tout le monde peut comprendre. Euh, ensuite il y avait une question il y avait Didier Gord qui demandait certaines cartes son ont une entrée instrument est-ce que cela fait office de DI euh, Oui en général c'est prévu pour, en gros il y a un étage d'adaptation alors après ça ne veut pas dire que la carte son en elle-même pourrait être utilisée comme une DI ça va juste dire que tu peux brancher ton instrument directement dedans et l'enregistrer directement via ta carte son euh, voilà et du coup je reprends j'ai répondu aux différentes choses qui avaient été dites Attends, attends, attends donc, parce il y a, a Jean-Noël qui dit en réponse à, à, je sais pas qui, à Didier, euh, non, en sortie de DI, tu es en signal symétrique. Je rien compris. C est, c est ce que, si, c'est pour ça, en fait, c'est qu'à mon avis, il y a, alors moi je le comprends comme ça, donc après Jean-Noël et Didier, dites-moi si je mésinterprète vos propos. Mais à mon avis, c'était de dire que la carte son avec son entrée instrument peut faire office de DI, c'est-à-dire qu'on pourrait la brancher à la place d'une DI et du coup repartir derrière vers autre chose. Et en fait, non, ce n'est pas le cas. Notre, euh, notre carte son, elle a une entrée instrument, donc on peut brancher l'instrument. Dedans la carte son, il y a du coup un étage d'adaptation, d'impédance et de niveau, comme pour une DI. Par contre, il ne faut pas ressortir après de la, de la carte son comme si c'était une DI et attaquer euh, un convertisseur ou euh, directement un ampli ou n'importe quoi. Alors, non, non, sach je... pour sa finir. Sa sachant que retour d'expérience... Euh... 90%, 90%, même 15% du temps, à chaque fois que j'ai récupéré des DI, on m'a dit si, si, je suis rentré dans euh, l'entrée euh, instrument euh, et que c'est une DI et que machin et que truc et que c'est marqué sur le manuel. Alors, à moins d'avoir une carte son de très bonne facture, euh, non, prenez un boîtier DI. Vraiment, prenez un boîtier DI. Ah oui, ce sont, alors quand je dis bien des étages, pour ça que depuis le début, je ne dis pas que c'est une DI intégrée, mais ce sont des étages d'adaptation. Forcément, en général, ce genre de carte. Avec une entrée instrument, ce sont des cartes entrée de gamme ou des cartes petit format qui ne coûtent pas très cher, voire qui coûtent moins cher qu'une vraie DI. Donc on peut bien imaginer que l'étage d'adaptation qui est intégré dedans, il n'a pas coûté le, la moitié du prix de la carte. Donc en général, ce n'est pas lui. Il va permettre de dépanner, il va vous permettre de maqueter, de faire de la pré-prod gentiment à la maison. Mais pour faire un signal définitif en vue d'un vrai réamping pour aller dans un studio ou être vraiment réampé dans de bonnes qualités il vaut mieux intercaler une vraie DI et rentrer sur l'entrée ligne ou l'entrée micro de la carte son. Parce que sinon, encore on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, c'est que la DI, elle a quand même un rôle primordial. Elle n'est pas uniquement le fait d'adapter l'impédance, elle va jouer sur tellement de choses que si vous voulez conserver une qualité de signal de départ optimale, il vaut mieux intercaler une vraie DI. Il y a Lilian ouais. qui demande « Dacapo, c'est bien ?» Oui alors moi très je, très je, je je répondrai pardon je répondrai, euh, pour mon retour d'expérience oui c'est très bien parce qu'il y a toutes les fonctionnalités euh, dont on a besoin sur un boîtier de réamping c'est euh, ça, 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 ça fait le taf après euh, comme pour tout il faut tester il y a plein de boîtiers de réamping sur le marché il y a radial qui en fait qui sont extrêmement bien etc, etc., etc. Euh, moi pour moi ça marche euh, Peut-être que demain j'achèterai une di, une ré euh, une reambox pardon au radial et que je dirai ah bah non en fait Dacapo c'est de la merde mais la Dacapo ça fait 6 euh... de... ans que je l'ai et, euh, et, et tout va bien voilà et ça marche oh, ouais. après évidemment c'est comme pour les DI, il y a différentes qualités de reambox différentes ça veut pas dire que une, une reambox à 50 100 euros c'est de la merde ça veut juste dire que les reambox plus cher, vont offrir d'autres capacités, vont offrir d'autres choses. Après, évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez vous prendre une Red Eye de Little Labs. Là, forcément, on va plus <laughs> chercher dans la même cour. Euh, est-ce qu'on peut, du coup, est-ce qu'on va, on va parler de la rebox Est-ce qu'on peut revenir sur les slides ouais, attends, on, a, à, un... on a juste, on a juste une, une question qui correspond justement euh, toujours à ce sur quoi on est en train de se. Ouais, on est en dire, train de parler. Je vais y arriver. Je réponds, je réponds. Euh, je vais répondre pour le camper parce que le accès, je, je ne le connais point. Euh, bah, je répondrai qu'à chaque. Hein? Non, non, le, le DI vas y Vas-y. Vas vas euh, à chaque fois qu'on m'a envoyé des DI faites avec le Camper, à chaque fois ça allait pas. Alors pourquoi? J'en sais rien. Euh, j'ai pas eu le temps d'investiguer, il faudrait que je le fasse, pour comprendre pourquoi ça déconne. Mais à chaque fois que j'ai reçu des DI faites avec un Kemper, c'était pas bien. C'était le signal, il n'était pas bien et pourtant euh, pourtant les groupes ils savaient jouer, ils avaient des très bonnes guitares, des excellents guitaristes, etc. Mais un signal DI euh, Kemper et un signal DI fait, fait avec une, une, un boîtier DI, euh, je préfère largement, mille fois, cent mille fois un boîtier DI et le, le, la qualité de réamping est nettement meilleure avec un vrai boîtier DI. Alors quand tu quand tu dis pas bonne du coup c'est quoi c'est il est trop compressé il, est, il manque des, une, une plage de fréquence ça, je sais pas ça manque de bas de... Euh, non j'ai l'impression que ça, ça les ouais, ça les compresse déjà et, euh, et que ça les ça les sature c'est absolument pas transparent Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, dans, deux, ouais, ouais. Dans, deux, dans deux secondes, secondes je vais dire que c'est musical tu vois attention accrochez-vous hein, euh, <laughs> <laughs> mais euh, non non le le, le c'est une machine euh, géniale vraiment mais, euh, mais le, le non le, le signal DI qui en sort, euh, je ne sais pas. Euh... Il faudrait, je... faudrait que je teste. Dire, je, je, je vais faire ça. J'ai que ça à faire. Non, je rigole. Euh, Vince, grind, je, je vais regarder pourquoi et je ferai des tests et, et j'aurai la réponse. Et du coup, pour compléter, donc tu parles de l'accès fixe, je vais en profiter pour citer notre ami Kevin. De l'axatif notre... de, de, de l'axatif. laxatif. C'est pour ça que je parle de Kevin, ce qui fait chier. <laughs> oh là là. Il est oh pas là ce soir, c'est méchant. On tape, tape pas sur les absents. Kevin, je sais que tu nous regardes. Et tu nous regardes, on t'aime. Euh, du coup, donc notre petit Kevin qui s'est fait un, un petit plaisir et qui du coup euh, qui s'est acheté un fixe et qui nous posait justement la question de savoir est-ce que le fixe fait office de DI et euh, notre ami Anto qu'on salue aussi. Et allez, on va saluer Louis aussi, sinon il va être jaloux. Donc ça fait aussi, comme pour le Camper, il y a une euh, une sortie DI. Donc on peut très bien du coup enregistrer le signal direct euh, traité par l'accès fixe et le signal euh, brut de la guitare via la sortie de DI. Maintenant, euh, là, je ne pourrais pas me prononcer, je n'ai pas testé le, la sortie de DI de l'accès fixe, je n'ai jamais reçu à l'heure actuelle de sortie de DI sortie d'un accès fixe. Par contre, je fais un petit appel, s'il y en a parmi vous qui ont des accès fixes et ou des, des DI et qui peuvent faire un enregistrement avec les deux pour qu'on puisse comparer. Vous êtes, vous êtes les bienvenus et je, très je suis très heureux de recevoir vos tests et qu'on puisse faire un comparatif. Et alors, s'il y en a un parmi vous qui a la possibilité d'avoir XFX, Camper et DI et de faire une même prise via les trois, en ces cas, ce serait chouette parce qu'on pourrait vraiment comparer. Voilà, l'appel est lancé, ah Chaque, chacun le fait. Euh, ensuite, on a Gabriel Nodé qui dit plus un hein, pour la Little Labs. Oui, mais bon, pas c'est pas donné. Ah, Arknoya qui demande la Reambox TSE, elle est bien. Elle, elle le sera bientôt. Elle le sera bientôt. <laughs> un jour peut-être. Un, un jour, jour peut-être. Peut euh, ensuite, on a Kevin qui dit bonsoir. Mais je suis un peu dyslexique. J'arrive pas à lire ce qu'il met exactement. Et, euh, et Louis qui dit je ne suis pas jaloux. Il, mais on il, a, il a dit Bonnard. Je pense qu'il doit passer un bon moment. Il dit Bonnard. Ah c'est ça Bonnard. Euh, ah Étienne Lopez qui dit je peux. Je trouve ça mieux qu'une DI ». impeccable. Et eh bien écoute. On, a, on attend avec plaisir vos prises et on, on, à la limite, on se refera une petite vidéo rapide où on parlera de la, du comparatif. Carrément. Et si entre-temps, je peux trouver l'explication du pourquoi que le camper, ça marche pas sur une DI ou même, même en réamp, même l'entrée qui est soi-disant dit pour du réamping sur le camper, je trouve que le, le résultat est moins bon que si on passe par euh, la DACAPO. Donc, euh, on bon, va inves je... in investiguer là-dessus. On va investiguer. Déjà, ce qu'on pourra faire, c'est que tu pourras faire une prise euh, via la DI et via la DI du camper. Tu m'envoies les deux et moi, déjà, avec un comparatif, je peux voir ce que je peux en, en trouver. Donc, voilà. on, en, on en reparlera, c'est pas le sujet. Oui on va, pas, on va pas commencer à se taper l'apéro. Euh, du coup, est-ce qu'on peut repasser sur mon petit slide numéro 33, s'il te plaît Numéro 3, la en box. Voilà, la ré box. Donc, la ré Est-ce qu'on a parlé de la DI box et donc, comme HK vient de parler de la ré box. cette boîte. Attendez, je vais éternuer, excusez-moi. Ah, tchoum Pardon. Donc, ah, l'Ariane Box... Merci. Euh, alors par contre, je crois que sur le live, tu n'es pas sur la bonne DI. Tu es sur... Donc, on ne peut pas utiliser une DI. Voilà. Non, si, bien. si. Mais il y a de la latence. Rappelle-toi. Ah, d'accord. Donc, la Box. Ce boîtier va permettre de résoudre les problèmes qu'on a cités. Donc, les problèmes d'impédance, de niveau, de signal symétrique, etc., 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 donc, si la DI, elle, va permettre d'adapter un signal instrument vers des, des équipements prévus pour un, un signal micro, donc c'est celle qu'on intercale entre la guitare et notre entrée de carte-son ou notre entrée de préampli pré pré micro ou ligne, elle, la re elle va permettre de faire l'inverse. Et là, ah bah voilà, ils se déshabillent. Slide, il se déshabille. Slide, s'il vous plaît. Ah mais ils ne m'ont pas vu parce qu'ils ne le voient pas. Ah. Donc, on se dit, bah alors on peut utiliser une DI dans l'autre sens. Puisque ça fait l'inverse, bien vu, mais non. Slide. Donc, si c'était aussi simple, le... déjà la box n'existerait pas. Alors, on pourrait dire, oui, c'est du marketing, tout ça, ils vous font ça pour nous vendre des choses, ah à là là, ah bas la consommation. Mais non, il y a une vraie utilité quand même. Si on se contente d'utiliser une DI à l'envers, il va y avoir des soucis lors de l'adaptation de niveau et l'adaptation d'impédance. Ce n'est pas fait pour, et du coup, on n'aura pas le résultat voulu. Alors, euh, slide suivante, s'il vous plaît le choix sur autant de DI, autant de -on box comment va se porter votre choix d'appareil bah Déjà d'une part, la qualité des composants internes. On l'a vu, si c'est une, si une passive par exemple, une DI passive, il va falloir un bon transfo. Donc par exemple, une bonne DI passive, ça ne coûte pas 30 euros. Parce que déjà, un bon transfo, juste tout seul, ça coûte entre 80 et 100 euros minimum. Donc si votre DI passive fait 30 balles, partez en courant. Euh, ensuite, les options disponibles dessus sur la DI est-ce qu'elle est juste euh, permet de rentrer, de sortir un signal, est-ce qu'elle va avoir un atténuateur, est-ce qu'elle va avoir une boucle pour couper la masse, etc., etc. Enfin voilà, les options sont à regarder parce qu'elles peuvent être utiles pour vous, pour votre manière de travailler. Donc c'est c'est pas complètement anodin. Et ensuite, la transparence du boîtier sur ce fameux signal, ça rejoint ce que tu disais H4 tout à l'heure sur le camper mm. puisque justement euh, prendre une DI qui va colorer notre signal, ça peut être un effet voulu. Mais déjà, c'est ennuyeux parce que du coup, toutes vos prises seront toujours colorées déjà de base de la même manière. Si un jour, vous ne voulez plus cette coloration, il eh ben, faudra changer d'appareil, ce qui n'est quand même pas pratique. Donc, en général, on va essayer de trouver un appareil qui, de base, est assez transparent. Euh, je fais une petite pause rapide parce que je vois, des, euh, je vois des questions qui arrivent. Ah, on a notre petit Kevin qui dit, je vous ferai le test dans deux semaines. Merci, Kevin. Ensuite, Étienne Lopez qui dit, pour info, avec un accès fixe, on est contraint à une prise en 48 kHz vous voyez alors bon c'est pas c'est pas grave en soi c'est pas grave en soi si la qualité de la prise est bonne je préfère un bon 48 kg qu'un mauvais 44 et ensuite on a Noya qui nous dit en fait vous arrivez à oublier les goodies que l'on a eu lors de certaines sessions non non j'ai pas oublié je savais très bien de quoi il parlait mais non cette ré je ne l'ai pas je ne l'ai jamais eue et je ne sais pas ce qu'elle vaut donc je ne me prononcerai pas voilà on change de sujet exactement <laughs> euh, slide de suivant mon petit lapin s'il te plaît. Mais bien sûr. Ah Attends. Ah bah non, je suis arrivé à fond. 36 e slide. Enfin... Le... Ah oui c'était le dernier. C'est vrai que je m'étais dit qu'on s'arrêtait là parce qu'après il fallait parler de plein d'autres choses et ouais. avais... je, si je faisais plus de slides ça... j'allais finir par vous saouler. Voilà. Donc... Alors, je sais par contre ce que j'avais prévu de faire. Hop, Moi, j'ai petit, ma petite conduite à moi, parce que je suis un garçon sérieux. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, comment choisir votre DIY, votre Ray Bah, D'une part, il y aura votre budget qui va vous guider, parce que forcément, tout le monde ne peut pas forcément mettre 3, 4, 500 euros dans une DIY ou dans une Ray euh, Donc, déjà, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, bah, posez-vous la question, est-ce que vous avez forcément tout de suite besoin des deux ou est-ce que dans un premier temps, il ne vous ferait pas juste une box ou juste une DI Voilà. Ou après, il y a pas mal, de, pas mal de fabricants ou de vendeurs qui font souvent des offres euh, packaging avec DI plus box, les deux achetés simultanément, ça fait une petite réduction. Mais voilà, il faut bien penser à votre workflow et savoir quel, quel intérêt vous aurez à prendre l'une ou l'autre. Mais pareil, posez-vous aussi la question, quel intérêt de mettre 300 euros dans une DI si vous mettez 20 euros dans la box. Encore une fois, on revient à des débats que j'avais déjà expliqués. Quand on achète son matériel audio, on essaie d'être cohérent sur toute la chaîne du signal. Ça ne sert à rien d'avoir un super élément pour que derrière, ça rentre dans un élément à 10 euros. Donc, euh, du début à la fin, il faut être cohérent. Donc, si vous avez une DI sans être méchant de qualité moyenne, ça ne sert à rien derrière ça d'avoir une DI à 1000 une, une boîte de réampe à 1000 euros. Voilà, essayez d'être cohérent sur l'ensemble et au moins vous aurez du coup un signal audio cohérent. Voilà pour la petite présentation. Et maintenant, je vais te laisser parler de à quel niveau tu enregistres tes, euh, tes guitares. Alors, les guitares euh, d'IA, j'ai tendance à les enregistrer de de plus fortes que les moins 18 dB euh, qu'on entend partout. Euh, j'ai plus tendance à être. Euh... Ouais, non, si je, les, je, les enregistre, je les enregistre un peu fort. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, je me suis rendu compte, et ça c'est euh, à force de le faire, que si j'avais un, un, un signal DI faible euh, au moment du, de l'enregistrement euh, DI, il fallait que je euh, booste beaucoup euh, le signal pour attaquer la boîte de réam, pour attaquer l'ampli, pour que l'ampli réagisse à peu près de la même manière euh, que lorsque on branche la, la DI directement dans l'ampli. Et je dis à peu près parce que... Le reamping, même si c'est un outil qui est euh, ultra euh, euh, que moi je trouve vraiment très très très, très puissant, euh, il n'empêche qu'il y a euh, une différence entre une guitare branchée dans l'ampli directement et une DI de cette même guitare passée par une boîte de reamp et dans l'ampli. Bah, encore une fois, je te, je te coupe trois secondes. Euh, Cette ah. différence, ça rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, la guitare enregistrée, c'est un son de guitare, mais c'est un signal audio de niveau ligne. On n'est plus sur un signal qui sort d'un micro de guitare. Voilà. Et du coup, en, en enregistrant fort, déjà, ça va me permettre d'éviter. Alors fort, il ne faut pas taper dans le zéro, hein, c'est pas ce que je dis. Mais euh, euh, avec un, un niveau relativement important, ça va me permettre. De pouvoir réamper sans devoir euh, et booster le gain sur mon dos pour sortir de mon convertisseur pour attaquer le, euh, la réambox, la ré box qui va être à fond pour attaquer l'ampli. Parce que plus on va rajouter du gain partout, qu'est-ce qui va se passer et ben bah le, le, le bruit de seuil, le bruit de fond, le, le côté un peu dégueulasse, va être remonté lui aussi. Et lui aussi, il va être, être réampé. Et c'est pour ça qu'en général, quand on a des réampings qui sont euh, bof, c'est en partie évidemment. Euh, avec le signal de DI qui n'est pas bon, en Norvège, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de brancher euh, une guitare ou une basse directement dans une entrée ligne carte son, non, ce n'est pas un signal DI, ça je vous le dis. Euh, encore une fois, sauf si euh, la carte son est de super bonne qualité et que c'est une vraie DI qui est montée dedans, euh, ça peut, il y en a. Euh, mais voilà, si on a un, un signal DI qui n'est pas bon avec un, un volume d'enregistrement qui est ultra faible, euh, bah derrière le ramping, vous allez réamper euh, du bruit, en fait. Vous allez reprendre de la DI, le, le son guitare, mais vous allez aussi réamper le bruit, et qui va être d'autant plus fort s'il faut que vous boostiez euh, le niveau euh, enregistré de la DI. Je me rappelle, il y a très longtemps, euh, un groupe euh, de Brutal Death Technique qui euh, avait enregistré ses DI seuls, et en fait, les DI étaient d'une faiblesse intersidérale, mais vraiment, c'était extrêmement bas vraiment très très bas et je leur avais dit mais euh, faudrait les refaire là parce que c'est compliqué et ils pouvait pas les refaire donc euh, bah il a fallu que je rajoute beaucoup 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 de dB et ben bah, au final derrière le son le son d'ampli euh, il n'était pas net ça, ça marchait, mais, mais ce n'était pas net. Donc, euh, voilà, derrière, il fallait que euh, je, je chausse le RX pour virer le bruit, pour enlever du buzz. Enfin, voilà, C'était un enfer pas possible. Euh, donc, un signal d'IA enregistré fort se comportera mieux au moment du réamping. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous le dire. Euh, la basse, c'est un peu différent. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il, il y a beaucoup de dynamique et tout. Pour le peu que le, le bassiste joue avec une basse active en plus, ou alors avec un préamp intégré. Enfin bref, il y a mille, mille configurations. Il euh, faut faire un peu plus attention. Je vais quand même l'enregistrer un peu plus fort que le moins 18 dB qu'on connaît tous. Euh, mais un peu moins. Sachant que moi en plus, les DI de base, je les compresse à la prise. Toujours. Justement, à cause de cette dynamique qui est, qui est ultra euh, importante. Euh, par exemple, un bassiste qui va slapper et après jouer au doigt, coucou jacou, euh, bah lui à la prise, je, je, le, je, le, je, le, je le compresse toujours. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, une fois que tout ça c'est fait, que c'est enregistré, etc., etc., est-ce que on traite les DI avant le reamping Deux cas de figure. Première clé de figure, tout va bien, le signal de DI est mortel, il est enregistré super bien, c'est extrêmement bien enregistré, bla aucun problème, on passe ça dans l'ampli, ça sonne génial. Est-ce qu'on traite Pourquoi pas On peut. Euh, on peut euh, prendre un EQ et puis euh, traiter le signal DI pour euh, euh, augmenter un peu les aigus, pour enlever un petit peu de bas, pour, etc. On peut faire plein de choses. Euh, mais si le signal fonctionne, j'en vois pas forcément l'intérêt. Okay. Pourquoi Parce que, euh, selon moi, hein, toujours, c'est un retour d'expérience que je suis en train de vous faire. EQ une DI, c'est simplement pour aller la colorer ou la corriger. Okay. Mais si n'y a pas besoin, ne bah, le faites pas en fait. Vraiment, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Euh... À l'inverse, prenons un signal de DI qui est enregistré euh, pas très très bien. Euh, et, euh, et, et alors le niveau est bien, hein, c'est enregistré suffisamment fort, mais le signal DI lui-même, bah il y a trop de bas, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais là vous pouvez EQ, vous pouvez virer les fréquences qui vont, qui vont euh, euh, être un petit peu embêtantes. L'autre avantage de faire ça pendant que vous réampé, c'est que vous allez entendre l'action que va avoir votre EQ sur votre signal DI. Et vous pourrez ainsi colorer votre son, corriger votre son directement en l'écoutant et en vous disant ah tiens quand je booste cette zone là j'ai plus d'attaque quand je creuse cette zone là bah c'est moins boumi c'est moins crado quoi voilà il euh, y a un petit moment j'avais aussi dit que je clipais mes signaux d'IA alors oui je le fais mais pas toujours je ne clip pas Toujours mes signaux ça va dépendre du type de micro que je vais avoir. Exemple, un EMG, je ne vais pas les clipper parce que de base c'est clipper. En fait, c'est voilà, c'est 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 ultra fort, c'est ultra limité, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire l'exemple, hein. vous avez un EMG, vous enregistrez une guitare. Vous enregistrez une guitare avec un, un Seymour Duncan ou un micro dynamique, peu importe, euh, un passif, pardon, et, euh, et, et vous allez voir en fait qu'il y a plus les crêtes sont, sont plus là et c'est plus dynamique. Voilà. Euh, alors que le, le, le MG c'est tout droit, hein, voilà, et, euh, et c'est comme ça. Sur un micro type Seymour Duncan, euh, passif donc, le, pour. Écréter un tout petit peu ma DI et faire en sorte que mon réamping, surtout sur un son saturé, fonctionne relativement de façon cohérente et constante. Je vais euh, clipper mon signal pour justement bah, rapprocher hein, les, 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 les passages forts et les passages faibles et avoir euh, une restitution du gain obtenu avec l'ampli qui soit constant. Okay euh, de la même façon, on peut faire un parallèle. Je vais Compresser mon signal DI basse avant d'attaquer mon ampli. Comme ça, l'ampli, lui, va réagir de façon constante en fonction de la partie que le bassiste est en train de jouer. Exemple, on va régler l'ampli, okay, euh, on prend un gros SVT, grosse distorsion, poussé à burn, c'est génial, il joue au doigt, oh, génial, il y a un slap qui part. Ah bah ben là, c'est plus de la saturation, c'est une énorme bouillie. Donc pour éviter ça, eh ben on va mettre un compresseur juste avant l'ampli pour faire en sorte de calmer les différences de niveau qui vont faire réagir l'ampli différemment. J'ai fini. J'en profite, je vais te poser des petites questions qui sont passées les... euh, en même temps dans la, dans la discussion. Il y a Florian Jésus, par exemple, qui demande si moins 6 comme niveau d'enregistrement, c'est cool. C'est à peu près là où je vais. Alors, sachant peut-être préciser pour tout le monde, moins 6 niveau moyen ou moins 6 pour les crêtes mmh, Pour les crêtes. Super. Et ensuite, on a. Alors, il y avait JM Veli qui disait que certains <laughs> producteurs clippent les DI, mais du coup, tu y as répondu. Ouais. Et il y a Mika qui dit, HK, est-ce que le, tu augmentes le niveau dans le domaine analogique dans la DI ou dans le DAO en digital Dans quel cas de figure Réamping ou enregistrement je ne sais pas, je ne fais que dire. Donc, Mika, est-ce que tu peux nous apporter des précisions sur ta question, s'il te plaît euh, et Ensuite, il euh, y a Arknoya qui demande, du coup, comment tu clips un signal de DI Eh bien, je clip un signal DI avec un plugin. Voilà. Avec un plugin de clipping. Voilà. Est-ce que tu... Est-ce que, est que ça t'arrive aussi de clipper directement en entrée du convertisseur C'est-à-dire de, de rentrer un peu fort dans le convertisseur pour faire clipper le convertisseur Au moment du mastering, oui, mais sinon, non. Sinon, non, pas pour la, la DI en tout cas. Non, pour rien en fait. Je ne fais euh... jamais mes mes, mes mes convertos quand j'enregistre. Par contre, je vais les clipper en entrée au moment du mastering euh, pour avoir justement ce, 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 ce volume final qui va beaucoup, à mon sens, qui va être beaucoup plus transparent euh, qu'un limiteur. Voilà. En tout cas, l'oreille. Ensuite, euh, on avait discuté, on, de on s'était demandé. Euh, attends, je reprends un peu notre, notre, petit, notre petit filage. Oui. Euh, sur, ta, sur ta philosophie d'EQ, ouais. tu parlais souvent que tu allais. Parce que tu parles de colorer, mm. mais très souvent, toi, tu utilises le Fab Filter, mm. qui est pourtant reconnu pour être transparent. Mm. Donc, pourquoi utiliser un EQ transparent pour apporter ah, une couleur bah, en, fait, en fait, le truc, c'est que euh, quand je dis apporter une couleur, euh, c'est <coughs> plus. Le fab filter, à partir du moment où on ne va pas aller chercher des, 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 des niveaux d'augmentation de gain très importants, il va, il va rester relativement euh, transparent. Par contre, si on commence vraiment à lui rentrer dans la tronche, bah là forcément, ça va, ça va changer les ciels, ça va changer les sons et ça va être euh, beaucoup plus... Euh, euh, moins transparent, évidemment. On va changer, on va changer le son du du, du, du signal. C'est sûr que euh, c'est pas euh, c'est pas un SSL, etc. Mais je prends le, le Fab Filter pour deux raisons. D'une part parce qu'il me permet euh, d'avoir vraiment un contrôle très précis sur les traitements que je vais faire, que ça soit en termes de boost, en termes de cut, etc. Euh, et en plus je vois euh, ce que lui voit. Donc euh, j'ai vraiment une aide visuelle. Par rapport à ce que je fais et, euh, et l'autre truc c'est ça c'est que euh, bah, si euh, si je veux augmenter ou diminuer quelques fréquences de quelques db ça, ça va le faire mais ça va pas non plus modifier complètement la perception du euh, du signal par contre si je vais le booster de plus 6 7 8 9 12 db euh, bah là c'est pas la même quoi donc euh, c'est plus c'est plus un outil qui est très chirurgical et c'est pour ça que je le prends la vraie raison elle est là en fait yep ah tiens, du coup, il y a Mika qui précise sur sa question, donc je te répète sa question, donc tu augmentes à l'enregistrement le niveau ouais. dans le domaine analogique, dans la DI, ou est-ce que tu l'augmentes dans le séquenceur? Analo. C'est vraiment à la, à la prise sur toute ouais. la partie préamplification. Ouais. Yep. Et du coup, donc Arknoia qui précise, donc si je comprends bien, tu enregistres à moins 6 dB pour les crêtes et derrière, tu fais clipper avec un plugin quand tu fais quand tu veux faire clipper une guitare Oui, mais pas toujours. Le, le, le clipping, je répète, je ne le fais pas toujours, ça va dépendre de comment le signal DI se comporte. C'est pour ça qu'en général, tu préfères l'enregistrer toujours sans clipper et tu te laisses le choix après de pouvoir le clipper ou pas. Exactement. Bah, en général, je fais toujours ça, que ce ça soit, euh, soit pour euh, euh, la, la, une DI... Euh, alors, pas la voix, la voix, j'ai tendance à la traiter euh, au moment du, de l'enregistrement, mais une batterie, par exemple, je vais plus chercher à obtenir quelque chose qui me plaît uniquement avec mes préamplis, mes micros et leur placement. Euh, voilà. et ça me force en fait quelque part à, à vraiment aller chercher le placement plutôt que de me dire oh bah les overheads il y a un peu trop de bas oh, c'est pas grave, je m'en fous je mets un coup de bas et puis on verra bien non non, s'il y a un truc qui ne va pas dans les micros je le règle à la prise et si après je veux euh, traiter à la prise je le fais mais de base je passe le temps qu'il faut pour avoir un signal enregistré non traité qui me convienne bah, après, il y a, a peut-être le fait aussi que sur une batterie, comme tu as plusieurs micros, déjà de base, tu vas gérer comment sonnent les uns avec les autres. C'est ça. Que sur, que sur un enregistrement de, de, de DI, au final, tu n'as qu'un élément, donc lui, tu peux chercher à avoir sa couleur d'origine. Exactement. Mais comme, comme sur un, un réamping ampli, moi, le, les réampings, je vais chercher ce que je veux avec mes micros, avec, mon, non, avec ma tête d'ampli, avec mon baffle, avec l'équilibre euh, au fader de, de mes différents micros avec euh, des pédales de, de distorsion en plus ou de, de, de boost en plus. Je vais, je vais vraiment aller euh, euh, chercher à la prise, mais la, la vraie prise, euh, quand je dis la vraie prise, c'est euh, pas de traitement en fait, c'est zéro traitement, le son ouais. que je veux. Et une fois que j'ai le son que je veux, mais qu'il voilà, y a un, peu, un truc un peu aigu, il y a un truc un peu trop grave, un peu machin, et que je n'arrive pas à le solutionner uniquement avec mes micros et leur placement, là, je vais faire rentrer dans la boucle des EQ. D'accord. Mais pas. Mais Tiens, d'ailleurs, justement, parce qu'on parle de d'enregistrement, il y a une bonne question de Gabriel Naudet. Et euh, si tu es d'accord, j'en profite, je voudrais remercier Gabriel pour le travail qu'il fait de, ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui. de regrouper à chaque fois tous les postes. Donc, euh, merci beaucoup, Gab, tu fais un super taf là-dessus, de regrouper Carrément. à chaque fois tous les posts importants dans un fichier. Donc, tout ce que vous... Si vous avez la moindre question qui a été déjà évoquée sur le groupe, vous avez un fichier qui recense toutes les vidéos, les lives, les, les sujets qui ont été traités. Donc, merci, Gab. Du coup, sa question... C'était est-ce que qu'on utilise un noise gate au moment de la prise des, euh, des DI et ou est-ce que tu en utilises un au moment du reamping Je n'utilise jamais de noise gate sur une DI en direct. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La, la, la raison, elle est très simple, c'est qu'il suffit que euh, le guitariste euh, fasse un petit, euh, un petit tapping ou un truc euh, très léger. Euh, au si, si on écoute que le son... Euh, et eh ben, on va l'entendre, mais ça se trouve, le gate placé sur la DI, il va le couper et on n'aura pas le son donc, ça n'y est sur la DI, jamais. Sur euh, au moment du réamping, je mets un noise gate, oui, mais qui est très léger. Je vais, je vais pas, je vais juste euh, un peu comme au mix finalement, je vais juste essayer de reculer euh, dans, dans en termes de son. Euh, bah, les, les, les bruits de buzz, de chuch, des trucs comme ça, enfin bref, ce qui va traîner quand on, quand on, on, on réampe notamment avec la 5150 qui est une usine à souffle hein, quand même. Euh, et une fois que j'ai fait mon réamping où j'ai réussi à baisser un tout petit peu euh, bah, mon, mon signal non souhaité, euh, bah, au moment de faire ma préparation de mix, je vais euh, bah, nettoyer ma piste en fait, hein, tout simplement, je vais enlever les, les endroits où il n'y a pas besoin d'avoir de son pour avoir quelque chose de très propre si d'aventure euh, j'ai un son d'ampli euh, ou euh, à l'oreille comme ça même de visu je vois pas de bruit résiduel je vais mettre par sécurité euh, un, un gate sur mes guitares de la même logique de façon très légère c'est à dire que je vais pas prendre le risque de couper mes guitares à un moment où en fait il euh, y a un truc qui joue mais qui est, qui est bas il va être réglé de façon à enlever ce ce, ce bruit de fond en fait qu'il peut avoir parfois et c'est plus de la sécurité qu'autre chose je préfère couper à la main voilà. je préfère nettoyer à la main et on a une autre bonne question aussi de Johan BE qui dit sur une guitare, sur certaines guitares qui ont, qui ont des micros que tu peux basculer entre actif ou passif mmh. est-ce que tu as une préférence de, de mode pour l'enregistrement non, 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 non c'est euh... Bah, je vais prendre l'exemple de la outblast parce qu'on est dessus avec, euh, avec la TSE School. Il euh, y, a, y a donc trois pistes de guitare de chaque côté. Euh, je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'on l'a déjà dit et que, et que, et que voilà. Euh, mais il euh, y a du Fishman, il y a du non, du Deactivator, Fishman et EMG. Euh, et chaque... Euh, micro sonne très bien en fait ça sonne très bien mais va avoir un comportement différent comme j'expliquais tout à l'heure euh, le, le, le mG lui va être clippé de base le, le, le passif va pas être clippé donc il va avoir un peu plus de dynamique etc et, euh, et en fait faut juste choisir son micro en fonction de ce qu'on veut voilà c'est en fait un micro guitare c'est la même philosophie finalement qu'un micro euh, un micro un micro, euh, où on va prendre bah, un SM57 parce que voilà sur les guitares avec les médiums ça marche bien, sur les caisses claires ça marche bien aussi, mais si on prend un M88 euh, de euh, Sennheiser euh, ou Bayer Dynamics, je sais plus, euh, je dis une connerie là, euh, bah, il va avoir une, une réponse en fréquence qui va être un peu plus intéressante, on va avoir un peu plus d'attaque, etc. Donc en fait on va juste choisir son outil en fonction de ce qu'on veut en finalité. C'est tout, il hein, y a pas de règle en fait, c'est est-ce que ça sonne bien Oui, bon bah voilà, on peut les bouffer. Un chantier, merci. <laughs> euh, du coup, alors tiens, j'ai une question de Clément Soubrouillard, mais qui va nous permettre de basculer sur le prochain thème que je voulais que tu abordes. Ouais. Il y a Clément qui dit est-ce que l'histoire de clipper ou pas un signal DI est aussi à prendre en compte si tu veux faire du réamping, mais en plugin, type Neural DSP, ou c'est juste pour dire ramping sur de vrais amplis Du non, coup, non. Avant que tu répondes, tu, réponds, <laughs> tu ouais. et ça me permettait de passer c'est ma prochaine question c'est en termes de reamping, est-ce on va préférer et pourquoi réamper avec une tête, en mode normal, classique, tu passes par une tête et un cab, mmh. est-ce que tu vas réamper au plugin ou est-ce que tu vas reamper avec une tête, une loadbox et une impulsion-réponse de cab Ah, euh, bah la réponse est dans les pistes de l'outblast. <laughs> <laughs> euh, c'était quoi ta première question je suis désolé hein, je suis très fatigué J'arrive plus à suivre non mais il n'y a pas de soucis. Bah déjà c'était voilà. Qu qu'est-ce qu que tu préfères enfin, quel, quelle est pour toi la grosse différence entre réamper dans ah. un vrai ampli avantage inconvénient euh, réamper dans du VST avantage inconvénient et réamper alors, dans tête d'ampli loadbox IR ouais. alors, euh, avantage inconvénient alors l'avantage des plugins c'est qu'on va avoir un résultat immédiat surtout les neural ESP on les branche ça marche enfin, même en position de défaut euh, il n'y a rien à faire quoi on met le on met le plugin ah oh, ça sonne merci euh, donc ça c'est euh, c'est du plug and play donc ça c'est l'avantage l'autre avantage aussi c'est que on va avoir un signal qui va être très propre parce qu'on va pouvoir avoir un gate euh, intégré on va pouvoir gérer plein de choses on va pouvoir euh, euh, faire de l'eq directement dans le plugin on va pouvoir changer les positionnements de micro par rapport au baffle on va pouvoir changer le baffle etc 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 donc c'est un confort et un, un résultat euh, bon tout de suite les VST pour moi c'est enfin, le, le neural en tout cas c'est ça après il y, y a une couleur euh, qui est très 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 moderne euh, avec ces, ces plugins là et, euh, et je vais très souvent euh, mélanger euh, une vraie tête avec un VST lorsque je veux faire un mix très moderne parce qu'on va avoir ce côté très très euh, propre finalement chirurgical euh, qu'on peut avoir une tête d'ampli mais ça demande un peu plus de travail alors que avec un, un VST, euh, pouf, on le met, hop, ça marche, euh, c'est génial. Euh, donc, j'ai un peu répondu à toutes tes questions en fait, euh, en, en répondant comme ça. Mais euh, ça va dépendre du groupe, ça va dépendre du projet. Euh, exemple, on parlait de l'Outblast tout à l'heure. L'Outblast, il y a une 5150, Il y a euh, le Mesa ici euh, qui est euh, repassé dans une IR de chez Jens Bogren, le Bogren Digital. Pas qui est à gagner d'ailleurs. Pour le meilleur mix de, de la TSE School. Euh, et le dernier signal, ça a été fait avec le Neural DSP Cali. Voilà, parce que pour la petite histoire, on avait la 5150 plus le Mesa qui marchait très très bien. Et avec ça, on se disait ah il manque un truc, il, il y a un truc qui manque dans le haut, cette espèce de truc un peu Marshall machin. Et euh, j'avais fait, fait plein de tests avec euh, une, 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 une JCM 900 que j'avais récupérée d'ailleurs à l'époque, euh, des profils euh, JCM 800, 900, etc. avec le avec le Kemper. Et on n'avait pas ce truc finalement numérique. Quelque part qu'on cherchait, tu vois, c'est ça, ce, ce haut très, euh, très droit. Et, euh, et, et à la base, je voulais vraiment pas utiliser de plug-in sur cette production parce que je voulais un truc euh, full naturel, euh, vrai instrument, vrai rempli. Puis je me suis dit, ah, vas-y, merde, fais chier, je vais tester. Euh, et, et, et dans le mix, en fait, ce, cette piste-là est très, très basse, elle est vraiment pas du tout forte. Mais, euh, mais quelques dB, en fait, dans le mix guitare et pouf! Ça, ça donne tout de suite ce, 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 ces guitares beaucoup plus claires et larges. Voilà. En fait, c'est des outils. Tout ça, c'est des outils. Donc, il n'y a, a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de bonne façon de faire. Du moment que ça sonne, on s'en fout. Enfin, on, vraiment, on, on, on s'en contrefou. L'autre jour, hein, je vais pas dire de qui c'est parce que je peux pas le dire, mais euh, je reçois, je reçois un, un dossier euh, et, et j'écoute. Une des précédentes prods, et, euh, et en fait, euh, euh, où on m'avait dit, ouais, cette prod-là, on aimait bien, machin, bon, bref. Et, euh, et j'écoute, et en fait, la batterie, et pourtant, c'est une prod qui date de 2003, 2004, je sais plus si je dis des Et la batterie, alors, il y a des vrais cymbales, ça n'a pas de problème, mais tout le reste, ça a été ressemblé. Tout le reste a été ressemblé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ça marche Alors, pourquoi se faire chier si ça, si ça marche avec des VST, ça marche avec des VST. Si ça marche avec des amplis, ça marche avec des amplis. Voilà. Il ne faut pas, faut pas oublier que la finalité, c'est ce qui est le plus important. Exactement. Après, la, mé la méthode, nous, ce qu'on vous donne, en fait, c'est des méthodes qui fonctionnent pour bien le, pour bien le faire. Mais après, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Non. Si vous utilisez une méthode qui vous convient en manière de travail et qui vous permet d'obtenir le résultat que vous voulez, c'est que c'est la bonne méthode tout simplement. Euh, après tout, tout ce que tu as raconté, ça me rappelle une, une petite anecdote que j'avais faite aussi. C'est l'autre gros avantage en plus du euh, du reamping. Je l'avais fait là quand j'avais enregistré un groupe. j'avais enregistré les les DA avec les guitaristes. Et après le guitariste guitariste savait pas trop. Il avait une idée du son qu'il voulait, mais il pouvait pas le régler chez lui. Enfin, il n'avait pas pu faire chez lui. Résultat, ce qu'on a fait au studio. On a pris le temps. On a positionné le on a positionné le baffle. On a positionné plusieurs micros dessus. J'ai positionné donc différents types de micros, pour revenir ce que j'ai dit tout à l'heure, pour avoir différentes couleurs, différentes positions, etc. etc. Et j'ai demandé moi aux musiciens de rester dans la cabine et d'écouter la guitare via les micros, via les enceintes. C'est-à-dire qu'ils n'écoutaient pas le son de l'ampli directement, mais le son d'ampli tel qu'il allait être enregistré. Et après, avec un retour de casque et un micro, moi j'étais dans la cabine et c'est lui qui me disait Ah bah tiens, vas-y, mets plus d'aigu sur l'ampli. Euh, écarte ce micro-là et en fait on a réglé le son de base. Avec ça, on peut le faire qu'avec du reamping. Mmh. Du coup, il était euh, posé dans, le, dans la cabine et il me disait, hop, rajoute un peu de ça, enlève un peu de ci, hop, déplace-tel le micro. Et à la fin, quand il était d'accord, je suis revenu dans la régie, on a réécouté, ils ont validé et hop, j'ai lancé l'enregistrement. On avait un reamping qui de base était quasiment le son final. Bah sur sur le, 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 le son de guitare euh, Loud Blast, euh, pour, pour ceux qui, qui, qui sont inscrits euh, à la TSE School. Et d'ailleurs, il reste des places pour les curieux. Euh, vous pouvez tout à fait vous inscrire. De toute façon, les, 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 les mix sont à rendre euh, pour euh, bah, au moment de la, de la Masterclass, donc les 9 et 10 janvier. Donc vous avez tout à fait le temps de faire vos mix. Pas de problème pour ça. Et en fait, le son euh, ampli, c'est le, le son qu'on entend sur le mix parce que vous verrez quand je mixerai en live mais je fais pas grand chose sur les guitares vraiment le, le mix guitare je, je fais quasiment rien en fait c'est vraiment de, de l'équilibre en, entre mes différents signaux et c'est tout après, c'est un peu, un peu de nettoyage par ci par là et voilà. Mais euh, mais je fais pas grand chose. Et, et ce que tu dis est vrai, c'est que l'avantage du ramping et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ça va vraiment permettre de tailler le son, de ciseler le son pour se rapprocher euh, à 90% de ce qu'on veut au moment du, du mixage. Ça c'est pour moi clair. le ramping, c'est euh, redoutable pour ça. Quoi. Et puis surtout de le faire comme tu l'as dit tout à l'heure en contexte. C'est-à-dire que là, on, on le, nous, on avait pris le temps avant de faire ça. De... Moi, j'avais pris le temps de commencer le mix de toutes les autres sources qu'on avait enregistrées avant. Mmh. Résultat, au moment de faire le ramping, les musiciens avaient déjà une idée, comme tu dis, à 90% du rendu. Il fallait pas besoin d'avoir une grosse imagination. Ils savaient déjà de base comment, comment ça allait sonner. Mmh. Euh, tiens, je, je rebondis tout de suite, mais en même temps, après, on va pouvoir repartir sur autre chose. Il y a Mika qui demande expliquer l'utilisation des IR. Les, les, donc, les IR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des impulsions-réponses. En fait, donc, ce sont des, des personnes. Alors, il y en a, je crois, sur le groupe qui le, qui le font aussi, mais sinon, n'importe qui peut le faire. En fait, on, comme on l'avait dit quand on avait fait la, le webinar sur les guitares, on vous rappelle que dans le son, autant la guitare est importante, les micros de la guitare sont importants, la tête d'ampli est importante, mais le baffle est extrêmement important dans le son final. Et du coup, il y a des personnes qui, font, qui vont en fait capturer la signature sonore. D'un baffle, ou voire même des fois d'un haut-parleur, type les bons vieux V30 et autres. Donc, ils vont capturer la, la signature sonore de, de cette chose. Ils vont faire une empreinte, en la, fait. Faire, voilà, faire une empreinte. Et du coup, après, avec un différent logiciel, ou avec ce qu'on appelle des loadbox, qui permettent de, de faire le, le même travail, on va charger dedans cette empreinte sonore pour simuler le baffle. Donc, par exemple, c'est le cas de ce que je disais tout à l'heure avec les IR Jens Bogren. Alors, lui, il a poussé encore plus le truc, puisque lui, ce qu'il a fait, il a capturé une empreinte sonore d'un baffle, mais en plus il, cette empreinte, il l'a déjà travaillé mm. Comme un peu, comme un plugin de tête d'ampli avec, tu parlais des neural DSP tout à l'heure, bah, il y a des presets déjà faits avec euh, déjà un équilibre, des pédales enclenchées, etc. etc. Bah, là, les IR Jens Bogren, des fois, il a 3, 4, 5 IR du même cab, mais avec différents réglages d'égalisation, différents micros placés différemment, et ce qui fait que balade là d'office, faut faire un test, mais euh, une tête d'ampli ou même une simu de tête d'ampli passée dans différentes IR, là pour le coup de Jens Bogren par exemple, mmh. ça change réellement le, le son en lui-même. Donc voilà, donc l'IR c'est l'impulsion réponse qui représente, qui, qui est là pour simuler un, un baffle de, de guitare ou de basse d'ailleurs. Et donc comment j'ai fait bah, c'est très simple, c'est que parce que je, je finis de répondre à Mika, euh, le, le préamp Mesa là, que Louis, euh, Louis, euh, notre Louis à nous, notre chaton mignon que nous aimons, euh, m'a gentiment prêté. Euh, en fait, il y a une sortie directe, donc je récupère juste le son pur du, du préamp que je rentre dans une DI, j'enregistre ce, ce, ce signal qui n'est pas joli en fait, et ensuite je charge un lecteur d'hier et je vais choisir l'IR que je veux, et ça me donne mon son. Euh mon son d'ampli en fait. Voilà. Et du coup bah, ça va me permet de rebondir sur euh, du coup de quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure et qui rejoint ce que je disais aussi. Mm -hmm. Qui est de l'avantage aussi du reamping, c'est que tu peux très facilement envoyer ce son de guitare donc de DI vers différentes têtes, différents baffles qui toi par exemple dans ton studio, c'est ce que tu as fait, tu as tes baffles qui sont déjà positionnés ouais. avec déjà plusieurs micros devant. Ouais. Qui vont te permettre du coup, alors tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure, mais déjà en fait de quasiment faire un prémix à la prise. C'est ça. C'est ça. Et euh, après, au moment du, du, du reamping, je vais. Euh, euh, pour, pour vous expliquer, en fait, j'ai deux baffles. <coughs> donc un 2-12 euh, EVH et un. Alors c'est pas un vrai 4-12 parce que c'est. Il euh, y a deux V-30 et deux je sais plus quoi euh, dedans dans le Randall Ola Nglug signature Satan. Et, et, et en fait j'ai 4 micros euh, sur le Randall et 2 micros sur le EVH, donc en gros j'ai 6 micros. Et ces 6 micros là en fait, donc je vais euh, dans, dans, dans mon logiciel, donc j'ai 6 pistes, je vais changer en fonction de ce que je veux euh, bah, l'équilibre au fader, hein. je dirais bah, je veux un peu plus d'aigu, bah, je booste le micro qui me donne plus d'aigu, je veux un peu plus de bas, bah, je booste le micro qui est un peu plus de bas, etc. Euh, et je peux changer aussi la coloration du son parce que si je pousse plus en termes de, de volume les deux micros de, du EVH ça va sonner différent que celui de, du Randall ce qui est logique et ensuite ces six pistes là je les envoie dans un bus qui va me permettre de sommer mes, euh, mes différentes pistes et au lieu de me retrouver avec six pistes au moment du, euh, du mix j'en aurai plus qu'une seule et cette seule et unique piste là est la résultante et le résultat des six pistes micro et ça, c'est pareil. C'est que plutôt que de faire du réamping, euh, si vous mettez plusieurs micros devant un baffle parce que vous voulez capturer tout le son du baffle, bah ok, très bien. Et, et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment tailler le son et avoir une, 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 euh, ouais, une qualité de, de, de son qui, qui est cool, parce qu'elle va, va être pleine, elle va être complémentaire avec euh, tous les micros. Mais si vous avez quatre micros et que euh, vous les mettez dans votre mix et que sur la base vous en avez trois autres et que sur les batteries vous en avez plein et que sur les champs vous en avez plein etc 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 vous allez vous retrouver avec une chier de pistes, et ça va être ultra pénible à, à, à mixer alors que si vous sommez déjà un maximum de choses euh, avant de commencer à mixer et bien plutôt que d'avoir six pistes de guitare j'en aurai plus qu'une seule Enfin, sur, le, sur le Loud Blast, si j'avais pas euh, sommé toutes mes pistes, mais ça aurait été l'enfer, parce que, parce que le Loud Blast, il y a, y a de la piste, il hein, y, y avait du micro hein, sur, euh, sur les amplis. Donc, euh, c'était. Euh, voilà. Donc. Euh 6 euh, micros pour, pour la tête d'ampli plus euh, il y en avait 2 parce que j'ai fait une bidouille euh, ça je l'expliquerai à la masterclass mais euh, pour, euh, pour la, le, le, le Fortin Cali plus celle de, de, avec le Eliard et Jens Bogren bah, ça fait 6 euh, plus 1 7 plus 2 ça fait 9 9 pistes de guitare pour euh, un son sachant qu'il y avait 3 pistes de guitare de chaque côté bah, ça fait 27 pistes de chaque côté bah, c'est immixable en fait c'est immixable donc Faites des prises avec plusieurs micros, très bien. Si l'équipe de vos micros vous va, vous sommez votre piste et vous enregistrez plus qu'une seule piste audio. Alors du coup, moi, ça me permet de te poser une autre question. Oui Pourquoi, pourquoi tu préfères euh, mettre plusieurs micros et du coup gérer ton équilibre de son en fonction de ce que porte chaque micro Pourquoi est-ce que tu ne fais pas simplement un micro qui prendrait euh, tout le spectre, que ensuite toi tu égalises euh, dans, le, dans ton mix parce que chaque micro a sa signature sonore, déjà, d'une part, et en plus, en fonction de là où tu vas le placer euh, sur ton baffle, il va sonner différemment. Et puis il y a peut-être le jeu d'interaction de... aussi, de mise en phase, hors phase, entre les micros. Qui oui, vont bien créer sûr. Une que tu ne peux pas recréer avec une égalisation. Exactement. Et parfois, je vais avoir des micros qui vont être. Euh, légère, alors je dis bien légèrement hors phase C'est que la, le hors phase ça s'entend tout de suite Si on perd du bas machin mais, euh, mais ils vont pas être parfaitement Alignés de tous de la même façon Et si on prend par exemple le plugin auto-align Et qu'on va aligner tout parfaitement Ça va sonner différemment Et ça peut ne pas être joli d'ailleurs Donc la phase ça peut être votre ami Alors on s'éloigne un peu du re Quoique Mais, euh, mais si, si vous avez un résultat qui est cool Et que vous vous dites ah en fait mon micro il est hors phase Qu'est-ce qu'on s'en fout Le son il était bien, ouais. Bon bah voilà. Alors qu'est-ce que, enfin voilà, faut pas se faire des nouveaux cerveaux. Hein. C'est, ça marche, ça marche. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour donner une petite astuce. Quand vous positionnez plusieurs micros sur un, un même baffle guitare, venir chercher cette position la plus en phase possible. Il y a une méthode toute simple. Vous positionnez votre premier micro qui vous plaît. Vous l'écoutez, Tintin, très bien, tout ça, super. Et au moment de positionner le deuxième. Donc soit avec une deuxième personne qui le place, sinon vous faites un retour casque, et vous déplacez le deuxième micro en l'écoutant en haut pot de phase avec le premier. À partir du moment où vous allez avoir une perte de signal significative, c'est que l'annulation de phase est la plus importante. Donc à l'inverse, quand en phase, c'est que vous allez être le plus en phase possible. Et sachant qu'en entendant un hors phase qu'une mise en phase, il vaut mieux placement en écoutant les deux micros hors phase et après vous remettez normal. Exactement. Michael qui dit pas d'effet type Eventide H3000. Et eh bah ben, si. <laughs> Alors pour la petite histoire, Steph Burier est un énorme fan de ce, cet effet-là qu'on retrouve notamment dans Morbid Angel et qui est gros fan de Morbid Angel. Et, euh, et Michael devait me prêter un H3000, un vrai H3000, pour le mix. Sauf qu'avec cette histoire de confinement, donc le premier confinement, hein, mars, Bah a pas pu. Mais je me suis euh, fait chier, on peut le dire, pour essayer de retrouver finalement avec des plugins euh, un résultat très bluffant et quasi équivalent à ce qu'on peut avoir avec un H3000. Et je vous montrerai ça aussi euh, lors du live de, du mix de la Outblast. Euh, avec euh, trois plugins, on peut... Euh, s'approcher, pas, pas, ça peut pas être équivalent parce que c'est voilà, mais euh, s'approcher vraiment beaucoup de d'un résultat euh, type H3000, euh, voilà, j'en dis pas plus. <laughs> Alors jusqu'à pareil pour ceux qui connaissent pas et qui se posent la question, le, le H3000 d'Eventide, c'est un vieux multi-effet de la marque Eventide qui était basé sur un harmonizer au départ et, et qui était un effet très 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 prisé. De toute l'époque euh, guitare héros, par exemple de Feu et Divan Allen aussi, qu'on était très fans. Tous ces, tous ces oui. guitaristes-là étaient très fans du H3000. Et du coup, je vous invite à aller jeter un œil sur de, su de quoi ça s'agit. Il est très reconnaissable avec sa façade noire et son clavier blanc de, à touche pour sélectionner des presets. Et donc, il avait un son très reconnu. Et effectivement, Mika posait la question avec intention puisque on le retrouve euh, très souvent sur des sons de guitare euh, métal. Voilà. À fait. Et ben, je... je suis en train de regarder notre ligne de conduite et nous ouais, avons fait le est tour. Est-ce qu est est que tu, je, si tu veux, je peux refaire un petit récap rapidement de tout ce qu'on a dit vas -y, vas -y. Donc, dans l'idée, pour votre reamping, première chose à faire, c'est prendre votre instrument, guitare ou basse, la passer par une DI avant d'attaquer votre carte son ou votre préampli, si vous ensuite passer par un préampli convertisseur. Insiste, on insiste bien sur le fait que oui, certaines cartes son intègrent des entrées instruments. Mais elles sont loin d'être qualitatives et des fois il vaut mieux rajouter une petite DI à 80 euros devant. Vous allez avoir des résultats qui seront beaucoup plus convaincants et si en plus par la suite vous devez envoyer ça à un ingé son chauve qui habite près de Clisson, il sera content. Une fois ouais. que vous avez enregistré, voilà, votre guitare donc est enregistrée. Alors après plusieurs solutions, vous pouvez très bien aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, splitter le signal en sortie de DI, en envoyer une partie brute dans votre séquenceur, et l'autre partie directement dans une tête d'ampli pour pouvoir enregistrer en même temps le son déjà amplifié. Une fois que ça s'est fait, on va enregistrer à quel niveau On va enregistrer avec des crêtes de préférence, aux alentours de moins 6 dB, puisque le but du jeu c'est d'avoir un signal de DI suffisamment fort pour que quand on va le réenvoyer dans un ampli, il fasse le plus possible réagir l'ampli comme le ferait réagir une guitare. Et s'il n'est pas assez fort, comme le disait justement HK tout à l'heure, on va devoir le réamplifier de manière euh, artificielle, et du coup on risque de faire remonter toute la merde, et ça va être dégueulasse. Euh, ensuite, à la prise, compresser à la prise, euh, c'est faisable, mais encore une fois, c'est plus pour tenir le jeu du musicien que pour donner un vrai effet de couleur. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, on prend l'exemple d'un bassiste comme Jacou, qui va pouvoir jouer au doigt, et ensuite qui va slapper sur sa basse, on va avoir des écarts de dynamique très importants, donc on va compresser la basse au départ pour essayer de tenir tout ça. Ensuite, on va avoir la possibilité, avant de réamper, de faire clipper les pistes, donc de les passer dans un plugin de clipping pour, le, le, pour les faire légèrement clipper, de gagner un peu de niveau et les faire saturer. Ensuite, il y aura la possibilité aussi de les égaliser, donc de travailler la prise brute de guitare nue, qui va permettre encore une fois de travailler le son, d'enlever de, un peu d'aigu, si, si vraiment, dès la prise, on n'a pas réussi à le travailler. Voilà, tra travailler notre signal pour qu'il soit le plus propre possible avant même d'aller le réamper. Et euh, donc, une fois qu'on a préparé notre piste, je regarde tout en même temps, on a, <laughs> on a choisi tout ça, on le prépare, et après, on va pouvoir donc le réamper. Donc, pour ça, on va sortir de notre convertisseur interface, carte son, ce que vous voulez. Alors, je précise que, du coup, tout à j'ai eu la question, une question, une personne qui demandait, mais n'importe quelle carte son peut servir pour du réamping. Alors, dans le principe, oui. Maintenant, les toutes petites cartes son, je prends l'exemple, parce c'est la première qui me vient de la, de la Scarlett 2i2 de Focusrite, elle, par exemple, elle a que deux sorties qui sont des... Monitoring et je vous déconseille d'utiliser les sorties monitoring pour faire du du ramping. Ce ne sont pas des vraies sorties ligne à proprement parler. Déjà parce qu'il y a le potard de volume qui permet de léger, etc. Donc elles ne vont pas vous sortir un, un vrai sortie ligne neutre comme pourrait, on pourrait avoir de sortir de n'importe quelle carte. Donc il vaut mieux privilégier une carte son avec des sorties ligne dédiées à ça. Vous l'envoyez ça dans, un, dans une boîte de réamp. Donc on l'a vu, c'est de la même manière, même utilité un peu que la DI. Elle va servir à adapter notre signal avant d'attaquer l'ampli pour que ça se comporte comme un signal qui sortirait d'une guitare. Et à partir de là, vous avez plusieurs options. Donc, soit le classique, le standard, on va envoyer ça dans une tête d'ampli qui va être envoyé vers différents câbles devant lesquels vous allez pouvoir placer un ou plusieurs micros. Et comme l'a dit donc Nico, ce qui va vous permettre de tailler votre son dès le départ, dès la prise, Parce encore une fois, le but du jeu, c'est de s'approcher à la prise du son final. Tout le travail. Il y a une phrase que, que répétait HK et que je garde souvent en mémoire c'est faites vos prises de son comme s'il n'y avait pas de mix parce que si à chaque fois vous gardez l'idée de vous dire ah mais ben c'est pas grave je le rattraperai au mix mais vous allez passer des jours et des jours et des mois sur votre mixage non il faut prendre des choix et vous devez enregistrer comme s'il si n'y avait pas d'étape de mix derrière vous devez en écouter la mise à plat ça doit déjà avoir un son proche du résultat final donc, et c'est marrant, faites... marrant que tu dis ça ouais. parce que avant qu'on passe euh, euh, en live on parlait justement de de, de, de ça, de la méthode de la méthode je que j'ai en fait, ma méthode que j'ai développée euh, au fil des années et, euh, et, 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 et je passe énormément de temps sur la préparation du mix plus que sur le mix en lui-même parce que l'idée c'est d'avoir, comme tu le disais surtout quand c'est des pistes que je n'ai pas enregistré moi, ce qui arrive la majeure partie du temps euh, ben, je vais passer du temps sur sur la préparation de mix pour faire en sorte d'avoir un, un équilibre, un pré-mix, enfin même pas une mise à plat, qui sonne, qui sonne déjà euh, pas mixé, mais quasi quoi. Donc, euh, donc ça va passer par des traitements en amont, etc. etc. Donc gardez en tête que plus vous aurez une, une qualité de signal qui se rapprochera le plus de ce que vous voulez euh, au final plus vous galérerez moins sur vos mix, d'une part, et qu'en plus, vous allez pouvoir passer plus de temps à produire. Et comme je le dis tout le temps, un bon mix c'est je vais pas dire que c'est facile mais avoir un bon mix si on a des bonnes, des bonnes pistes bon bah voilà c'est on lève les faders ça sonne quelques écues machin mais ce qui va différencier un bon mix d'un super mix ça va être la production qui va y avoir derrière les automations les effets les effets de production euh, plein de choses en fait qui vont faire vivre votre mix plus que l'aspect purement technique euh, d'un mixage avec euh, EQ compresseur on va vraiment avoir du temps pour aller dans l'artistique et c'est ça qui va faire la différence entre un bon mix et un excellent mix du coup moi je, je vais rebondir là dessus J'en vais profiter d'un exemple que je rencontre régulièrement avec, euh, avec les étudiants que je, avec qui je, je donne des cours c'est souvent en fait sur le fait de faire ses choix dès la prise et de se dire ah mais si je change d'avis alors moi je vais vous répondre autrement c'est que si vous vous laissez trop d'options, et ça rejoint un peu un truc de que disait Gabriel tout à l'heure dans la, dans la discussion, c'est qu'à un moment donné, faire un mix, c'est faire des choix. Si vous vous laissez à chaque fois la porte de dire Ouais, mais si je change d'avis, mais ne vous lancez même pas dans le mix vous n'allez jamais en sortir. À un moment donné, oui, ça fait peur, dans un mix, il faut faire des choix, il faut se dire ok, je choisis ce son-là et je l'enregistre comme ça. Mais en même temps, vous vous obligez à faire un choix et vous vous obligez du coup à avancer. Sinon, vous, en fait, c'est juste la peur d'avancer qu'on qu n'ose qu pas avoir, la peur de se lancer. C'est comme les gens qui disent Ouais, mais si je compresse à la prise, mon son, il sera compressé et du coup, après, je ne pourrai plus rattraper. Alors, certes, il faut pas compresser comme une brute à la prise parce que si vous tassez complètement votre signal, ce sera quasiment impossible de lui redonner de la dynamique après. Mais encore une fois, faire des choix tout au long du workflow, faire des choix. Bah, de toute façon, les choix, vous les faites de base. Quand vous avez choisi quel instrument le guitariste allait utiliser, c'est déjà un choix. Choisir le micro, positionner le micro. Quand vous faites une prise, vous ne vous placez pas 5 SM57 devant le HP pour vous dire ben on ne sait jamais parce que celui dedans il était mieux que celui. Non, vous faites un choix de micro placé devant votre HP. Ben à un moment donné, faites un choix d'égalisation, faites un choix de micro, faites un choix d'ampli, faites vos choix à l'enregistrement pour avancer sur le mix. Et à un moment donné, ça demande de se lancer, ça demande de se lancer dans le grand bain, mais c'est aussi ça qui va vous donner de l'expérience. Et évidemment. Au début, quand on débute, ça fait peur. On a du mal à choisir. Et après, quand on avance, qu'on a de l'expérience, bah on sait d'office que tel micro, positionné de telle manière, j'aurai tel son, et on ira plus vite. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on va être bon. Ça va faire Là, on euh, une bon heure et demie qu'on est en ligne. Donc, euh, c'est donc très bien. Impeccable. C'est très bien. Une, une petite dernière visite, question. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des, euh, trois questions qui sont passées. Il y a Olivier Fantôme qui dit « Tu conseilles quoi comme DI pour une basse passive ?» Celle qui sonne le mieux euh, bah, Toujours pareil, on va revenir sur ce qu'on a dit en début de vidéo, hein, ça va dépendre de plein de paramètres, de ton budget, de ce que tu veux, etc. etc. Alors encore une fois, je ne je veux pas faire de pub, hein, je n'ai pas d'action chez eux, mais une marque qui marche très très bien et qui a un excellent rapport qualité-prix, c'est les radiales. Oui. Les radiales. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais il y a très peu de chances de se tromper. Après, ça n'empêche pas qu'il y en a qui, sont, qui pourront être meilleurs, mais là encore une fois, le mieux, c'est de faire des tests. Ensuite, on a Florian Jésus qui dit une mauvaise prise micro à rattraper au mixage, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Bah, regarde la preuve. T'en as deux en face de toi. <laughs> Et on termine avec une dernière question de Mika qui dit est-ce qu'il est préférable d'avoir une petite DI ou utiliser les DI des têtes type marque basse ou nouveau, les nouveaux ampegs? En gros, les ouais. DI, il y a certaines têtes d'ampli qui ont des sorties DI intégrées. Et ben bah moi, je répondrais qu'une petite DI ou une grande, on s'en fout. C'est pas la taille qui compte. Merci, bonsoir. Là, bah, pour, pour répondre plus, plus logiquement à Mika, bah, de la même manière, c'est que la DI qui est intégrée aux amplis type Ampeg et tout ça, est-ce que tu es certain qu'elle va être aussi transparente que, euh, que ta DI à toi Et en plus, l'autre particularité, c'est que si jamais toi, à ton studio, ton home studio ou dans ton setup, tu as ta DI, tu sais comment ta DI à toi elle sonne. Que si jamais tu attends à chaque fois le musicien, te dis non mais moi c'est bon, j'ai une DI intégrée sur mon en peg et puis tu arrives en fait tu écoutes sa sortie sa sortie de DI dans peg et en fait elle est pourrie, c'est de la merde. Mm -hmm. Et ben tu l'auras dans l'os. Donc vaut mieux avoir sa propre DI, c'est comme le musicien qui dit non mais c'est bon, je ramène mon micro. OK. Bah vaut mieux avoir un micro à soi aussi qu'on connaît comme ça si jamais on voit que ça ne va pas, on peut toujours s'en sortir. Le, le principe est toujours le même hein, c'est de sans être méchant, trop faire confiance au musicien. Bah, on ne sait pas quel est lui son degré de, de qualité et si ça se trouve pour lui une bonne DI, quand nous on va l'entendre, ce sera pas une bonne DI. Et puis chacun, chacun j'allais dire chacun son boulot, mais euh, on s'éloigne un peu du sujet Ryan Pink, mais euh, euh, c'est intéressant. Le, si un musicien vient travailler avec vous, c'est aussi pour faire confiance à votre expertise métier et que le musicien, lui, il est là pour faire de la musique. Vous, vous êtes là pour mettre la technique à son service pour faire en sorte que sa musique sonne bien. Voilà. Il m'arrive extrêmement souvent d'avoir de travailler avec des groupes où l'un ou plusieurs membres euh, font de la MAO. Ils ont des notions, okay Et il arrive 99% du temps que pendant le mix, bah le, un, le musicien ou les musiciens qui ont euh, un petit peu de bagage ne vont pas se mettre en position musicien, mais vont se mettre en position de mixeur. Et du coup, ils vont pas écouter leur musique, ils vont l'analyser, ce qu'il faut faire. Mais ils vont pas l'analyser d'une façon objective. Ils vont l'analyser comme si c'était eux qui mixaient. Et plein de fois, je leur dis, je dis, attendez, je comprends ce que, je, je comprends hein, parce que quand c'est sa musique et qu'on l'a travaillé des mois et des mois et que <coughs> l'a confiée à quelqu'un d'autre, c'est difficile. Euh, et je leur dis, mais écoutez la musique comme si vous étiez un auditeur lambda. Redécouvrez votre musique. Si vous avez des choses que vous entendez, que vous n'aimez pas moins fort, plus fort, machin, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à me parler compression et trucs et bidule alors que vous savez même pas ce que j'ai fait dans ma dans ma session de mix, ça n'a pas de sens. Donc, gentiment, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour se fâcher, euh, il faut simplement dire Vous me faites confiance pour mon expertise technique. Mon expertise technique, je la mets à votre disposition, vous, musicien. Soyez des musiciens, je serai votre son et il n'y a que comme ça où on pourra avancer et avoir un résultat qui nous satisfera tous. Exactement. Et du coup, pour euh, terminer, en plus pour redire, il y a quelqu'un qui a fait une remarque très juste, c'est qu'en plus la plupart des DI intégrés aux têtes d'ampli, très souvent, la, euh... la DI n'est pas neutre puisqu'à de toute façon, on passe par un étage. De soit, du, soit au moins l'étage de pré-ampli soit voir des fois comme il a expliqué des fois même ça sort par un, une étape d'hier d'hier d'impulsion-réponse donc elle sera très certainement colorée la DI de la tête d'ampli donc ça rejoint encore une fois ce que disait HK mm. les musiciens ont fait appel à un technicien c'est encore une fois je sais que je prends souvent l'exemple de la bouffe mais quand vous allez au resto même si vous savez faire à manger vous n'allez pas aller en cuisine pour dire au chef cuisinier ah non mais attends, attends le steak faut pas le faire cuire comme ça en fait parce que non, vous allez en, au restaurant pour faire confiance à un cuisinier sur ce qui va vous servir à manger. Bah là, les musiciens viennent vous voir pour faire appel à votre expertise. C'est aussi du coup de leur dire, ok, les gars, vous faites votre travail de musicien. Vous, demandez, vous me demandez de faire mon rôle de, de producteur et comme le dit Michael Michael c'est ah, c'est le producteur qui parle. Bah oui, il a entièrement raison <laughs> sur ce qu'il dit. Il a entièrement raison. C'est qu'encore une fois. Si alors ce que je veux dire c'est parce que là voilà, on est entre techniciens entre nous mais je sais que certains d'entre vous sont musiciens, je veux vexer personne. Mais encore une fois, si euh, ils voulaient faire eux-mêmes le boulot, bah, ils avaient qu'à le faire eux-mêmes. S'ils l'ont pas fait seul, ce mix ou cet enregistrement, s'ils sont venus vous voir pour le faire, c'est parce qu'à un moment donné, ils attendent aussi de votre part ce genre de décision. Vous devez dire "Bah non non, à un moment donné, faites-moi confiance, vaut mieux qu'on fasse comme ça, ce sera mieux." Et après exact. comme il vous l'a dit, au pire, s'ils ne sont pas d'accord, on pourra toujours trouver un consensus entre leur volonté et notre expertise. Ce qui est, ce qui est le but le... de toute façon, quand, quand on, on produit un, un groupe, c'est d'être son propre médiateur, en fait. C'est de prendre les demandes euh, du, de l'artiste, de les mettre en face de réponses techniques. Mais si la réponse technique et artistique ne correspondent pas, eh c'est à vous, euh, mixeur-producteur, de bouger ce curseur pour savoir où est-ce que vous pouvez aller pour servir la musique sans pour autant vous mettre dans une situation technique très difficile. Moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir un batteur qui me dit ah, « alors moi, je joue avec ma caisse claire parce que c'est la meilleure caisse claire du monde ». Il est arrivé, la caisse claire, c'était un vieux péfoireur en fait. C est, c est... <laughs> il, est, il est dans le groupe, il va se reconnaître, mais peu importe, je te fais des bisous. Mais, euh, mais on a changé la caisse claire. Il m'a dit « ah ouais, alors en fait, euh, ouais, c'est vrai qu'au mix, c'est mieux ». Bah ouais, mais parce que, parce que après, j'ai fait un AB aussi. J'ai fait, OK, on prend ta caisse claire, on l'enregistre. On prend l'autre caisse claire, on l'enregistre. Ah ouais, non, avec l'autre, c'est mieux quand même. Bah oui, parce que, parce que, bah parce que vous avez fait un choix. Voilà. Et les choix, c'est notre boulot, en fait, de faire des choix. C'est notre boulot. Il faut avoir un bagage technique, il faut connaître des choses. C'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires aussi, pour que vous puissiez avoir des bagages euh, théoriques avec euh, l'apport euh, incroyable de, de James. Euh, et aussi un, un point de vue un peu plus euh, euh, expérience avec moi. Parce que, et j'ai aucun problème à le dire, je n'ai pas le bagage théorique de, de James, vraiment pas du tout. Et j'en apprends, euh, j'anime ces webinaires avec James, mais j'en apprends beaucoup avec lui, hein, systématiquement. Euh, mais voilà, moi j'ai appris ce métier euh, bah sur le tas, en mettant les mains dans le cambouis, et comme disait James tout à l'heure, bah en me jetant dans le banc, en me disant eh bah, fuck it, c'est parti. Je n'ai pas le choix, je suis là, je le fais, terminé, je prends une décision. Euh, mais le fait d'avoir ces bagages théoriques qu'on essaie de vous apporter de façon un peu ludique, rigolote, euh, avec nos fraises tagada au LSD, euh, c'est au <laughs> aussi, aussi pour vous permettre euh, d'avoir cette assise théorique qui va vous permettre d'accompagner vos choix techniques et donc artistiques. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous faisons de la musique. Nous sommes des techniciens, certes, mais nous travaillons avec de la musique et notre rôle est de transformer la technique en artistique. Exactement. En fait, on, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur cette ouais. euh, magnifique élucubration et ouais. dire que voilà, au final, prend, faites des choix, n'ayez pas peur. Assumez-les, faites vos choix. La seule condition, ne faites pas un choix au hasard. Ne ah, faites pas un choix ouais. par dépit, mais faites un choix parce que vous le voulez et à un moment donné, assumez votre choix. Voilà. Choisissez un micro, choisissez un plugin, choisissez une EQ, faites un choix de mix, mais faites le choix, assumez-le et feu. Avancez, c'est comme ça que vous allez aussi progresser. Le choix que vous avez fait aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le choix que vous faites demain. Je redonne un dernier exemple. Euh, il n'y avait pas longtemps, je demandais à HK de me réexpliquer une technique de mix. Et puis en fait, il me dit, bah, ça, je ne le fais plus. Et pendant un temps, il avait fait le choix de l'utiliser dans ses mix. Et maintenant, il fait le choix de plus l'utiliser. Ce n'est pas parce que ce n'était pas, pas la bonne méthode. C'est que ça correspondait à un moment donné à sa, à sa méthode. Un choix, c'est un choix. Et puis avancez, avancez. N'ayez pas peur de vous jeter. C'est ça. Pour euh, conclure cet euh, épisode webinaire sur le reamping, sachez que les participants à la masterclass donc, qui sont inscrits à l'école, enfin la school, parce que euh, voilà, c'est plus anglais, c'est plus, plus américain, euh, on poursuivra ce webinaire, mais de façon plus euh, euh, axée sur le workflow. Pour vous expliquer euh, bah, les traitements, les DI, euh, comment j'équeue, comment je clip, comment je compresse, etc. Euh, les templates que j'ai qui me permettent de réamper facilement et rapidement, euh, comment sommer correctement une piste, comment euh, réamper en contexte, etc. etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, on va. Euh, donc ça va être un épisode 2, mais l'épisode 2 sera euh, euh, exclusivement. Euh, à donner aux, aux participants à la masterclass. Voilà. Donc la masterclass, euh, ça n'est pas que euh, une, une un événement fixe sur deux jours. C'est euh, quotidien. Il euh, y a un groupe euh, Facebook euh, euh, qui est dédié à ça où on va vraiment aider euh, les, les les participants à comprendre des notions euh, euh, au quotidien. En fait, on va euh, les accompagner, on va les aider, on va écouter leur mix on va leur dire ce qui va, ce qui va pas, etc pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour arranger ça on leur, <coughs> on leur donne des trucs et astuces euh, toute l'équipe de, de TSE que je remercie hein, parce qu'on on nous voit nous deux mais euh, on est plein derrière à, à bosser euh, sont aussi en train de bosser sur un programme pour, euh, pour l'école vraiment euh, dans, dans, dans des choses très intéressantes d'ailleurs euh, donc Camille, Sylvain euh, Julien, etc. etc. Euh, merci beaucoup les gars. Et, euh, et voilà, donc c'est ça n'est pas qu'une masterclass, c'est la version bêta de la school. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec un très grand plaisir. Il reste des places, n'hésitez pas, il y a plein de choses à apprendre, vraiment plein de choses à apprendre. On a encore plein de choses à dire. Sur ce, on va arrêter de parler. On va vous souhaiter une excellente soirée les amis. Merci de nous avoir suivis sur ce webinar dédié au reamping pendant quasiment 1h40. On a 1h39 de live. On vous souhaite une excellente soirée. Euh, ça sera euh, de toute façon disponible euh, sur le groupe Facebook où vous pourrez euh, revoir euh, cette vidéo autant de fois que vous voulez. Vous pourrez aussi poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été forcément... Euh, euh, éclairci euh, durant euh, durant cette heure et demie passée euh, de, de, de webinar, on y répondra comme à chaque fois. Merci à tous pour euh, euh, bah, pour être là en fait parce que parce que c'est cool vraiment et euh, merci aux participants de la masterclass et à bientôt voilà sur ce bonne soirée les petits potes amusez-vous bien ciao Widerzen